Bien, il me revient d'ouvrir cette réunion qui est presque une réunion de travail de la restitution de la synthèse hydrogéologique de la Haute-Garonne. Donc, Madame la directrice régionale déléguée du BRGM, Madame la directrice générale adjointe de l'Agence de l'eau, Mesdames et Messieurs les membres de la direction de la transition écologique du Conseil départemental de la Haute-Garonne, Madame la chargée de projet au service eau, milieu aquatique et risque du Conseil régional d'Occitanie. Et j'en profite pour saluer mes anciens collègues de la région Occitanie, Monsieur le vice-président en charge de la transition écologique et président du SMEAG, Jean-Michel Fabre, chers collègues. Mesdames et Messieurs les élus, chers collègues conseillers départementaux, Mesdames et Messieurs les maires, Mesdames et Messieurs les responsables à la fois de bureaux d'études, responsables aussi de services de l'État ou de chambres consulaires ou de partenaires acteurs de l'eau, Mesdames et Messieurs, en vos fonctions et qualités. Bon, on se retrouve aujourd'hui, 3 ans après avoir lancé le partenariat avec le BRGM et les acteurs de l'eau sur initier l'élaboration de la synthèse hydrologique. Donc l'évaluation, entre guillemets, des potentialités de ressources en eau souterraines et la connaissance, la somme des connaissances sur les eaux souterraines de la Haute-Garonne, dans un contexte assez particulier où, je ne dirais pas qu'on court après le temps, mais en tout cas, on court souvent, malheureusement, après la pluie. Les épisodes de sécheresse et de canicule que nous avons connus en 2022 deviennent récurrentes, malheureusement, et nous assistons à un véritable emballement climatique avec des conséquences majeures sur les réseaux hydrographiques, hydrogéologiques et des conséquences sur l'ensemble des usages et la nécessité pour l'ensemble des acteurs et des usagers de l'eau de devoir s'adapter, d'adapter nos comportements face à ces situations qui malheureusement vont devenir récurrentes sous nos latitudes, vont devenir presque, je dirais même, la norme. Et nous devons maintenant aller plus loin, anticiper sur les estimations du GIEC, sur ceux, je reconnais quelques visages qui avaient planché il y a quelques années sur l'étude Garonne 2050. On doit aller plus loin pour anticiper et adapter nos comportements face à ce que nous connaissons comme situation malheureusement alarmante. Sur quel est l'état en Haute-Garonne ? Quelle est la photographie en Haute-Garonne ? 92% des prélèvements, globalement, sont sur des eaux de surface. Et il y a quelques années, je ne dirais pas à dire d'espoir, mais c'est quelque chose qui avait été déjà partagé sur le fameux constat de l'eau posé en 2004, remis sur la table lorsqu'on avait travaillé sur le nouveau SDAGE. En gros, il y avait encore des départements dans le grand bassin Adour-Garonne qui ne connaissaient mal, qui avaient mal exploré leurs connaissances sur les eaux souterraines. C'était lié essentiellement parce que nous étions des privilégiés, entre guillemets, où nous étions au pied de châteaux d'eau, où l'eau courait sous nos yeux et où nous avions finalement peu de difficultés récurrentes en dehors des acteurs de l'eau, ceux qui devaient gérer les moments de tension au moment où il y avait de la gestion d'étiage à réaliser et donc du soutien d'étiage sur la Garonne. Globalement, il y a de l'eau, on la prélève dans les cours d'eau et ça fonctionne. Aujourd'hui, on se rend bien compte que ce que nous avons initié d'aller chercher la connaissance, de la remettre en exergue, va nous être plus qu'utile. Les eaux souterraines vont devenir une ressource hautement stratégique et nous allons devoir réfléchir à comment, d'une part, mieux les préserver, deuxièmement, peut-être les utiliser en substitution là où c'est possible, là où c'est nécessaire, et surtout mettre en œuvre des mesures, peut-être de gouvernance d'ailleurs, pour mieux les protéger dans un temps qui nous sera plus qu'utile lorsque nous serons en situation
limite catastrophique sur les eaux de surface pour avoir une capacité de pouvoir encore nous alimenter et de répondre à l'ensemble des usages, que ce soit de l'irrigation pour continuer à maintenir une activité agricole sous nos latitudes, maintenir des usages industriels, parce que sans eau, il n'y a pas non plus d'usage industriel, et maintenir aussi nos capacités de produire de l'eau potable. Les ressources superficielles, au-delà d'être maintenant encore plus soumises qu'avant aux aléas climatiques, restent toujours des ressources très vulnérables par rapport aux risques de pollution, qu'elles soient accidentelles, récurrentes ou chroniques. Et nos capacités aujourd'hui de stockage, et on le voit avec un taux de remplissage de nos barrages actuels, sans parler de créer des barrages supplémentaires. Ne serait-ce que les barrages actuels, que ce soit ceux on va dire de piémont pyrénéen ou ceux des plaines, sont à une capacité aujourd'hui, ils sont remplis entre 30 et 45%. Il y a encore quelques semaines, Mombelle a affiché le taux de remplissage de 25%. Aujourd'hui, il est un peu plus remonté, mais enfin, il n'est qu'à un gros tiers de son remplissage. Donc, ce qui nous pose quand même de très grandes inquiétudes face à ce que nous allons devoir affronter dans quelques semaines si nous connaissons encore un épisode de fin de printemps très sec, avec un été caniculaire et une automne et un début d'hiver aussi sec que celui que nous avons connu sur 2022. Ce changement climatique, on le sait, va remettre en cause complètement les débits estivaux, qu'on peut appeler les débits d'étiage de nos rivières dans les années à venir. Nous le mesurons déjà aujourd'hui, mais ça va devenir quelque chose de très régulier. On va devoir d'ailleurs réfléchir différemment sur comment on observait ces débits et quelles politiques on mettait en œuvre pour maintenir ces fameux débits d'objectifs d'étiage. On va peut-être falloir passer à des débits cumulés d'eau nécessaire dans un cours d'eau pour permettre l'ensemble des usages, de certains usages qu'on pourrait caractériser comme prioritaires. D'ailleurs, j'ouvre une parenthèse, EDF a pris une décision majeure, et il faut toujours le dire et le saluer, cet hiver, au cœur du moment où le prix de l'énergie était très concurrentiel, très élevé, au moment où on avait des risques de délestage sur l'ensemble de notre bassin, c'est-à-dire où le marché de l'énergie était le plus en tension, EDF a quand même pris une décision, alors que rien ne lui obligeait d'un point de vue réglementaire, ni d'un point de vue décision de l'État, a pris une décision d'arrêter de turbiner, c'est-à-dire d'arrêter de produire de l'hydroélectricité pour garder un volume d'eau stratégique dans les grands barrages EDF, en se disant, si on affronte le même été, il n'y aura plus d'eau dans la Garonne. On ne peut pas être les coupables de ceux qui ont menacé les usages et la production d'eau potable. J'expliquerai en quoi ça aurait pu devenir très grave et en quoi on va devoir d'ailleurs quand même générer des économies d'eau. Bref, a décidé de conserver un volume important d'eau supplémentaire par rapport à ce qu'ils avaient comme habitude de préserver, de réserver dans la perspective de la période de soutien d'étiage. En gros, ils ont stocké 75 millions de mètres cubes au lieu d'en stocker que 50 millions de mètres cubes. Donc, c'est une décision assez inédite. C'est la première dans l'histoire de ces grands barrages hydroélectriques qui soutiennent l'étiage de la Garonne. Mais c'est une décision qui, malgré tout, reste à être soulignée. Mais on sait que, quoi qu'il advienne, les projections que nous avons aujourd'hui en regardant les chroniques et l'effectivité de ce qui se passe en ce moment, nous avons une réalité où les cours d'eau, d'ici 2040, 2050, auront un débit estival qui va être divisé en moyenne par deux, quoi, entre moins 40%, moins 50%. Aujourd'hui, la Garonne, par exemple, elle devrait être habituellement, elle est à 300 mètres cubes secondes, elle n'est qu'à 160 mètres cubes secondes. Au mois de février, là où elle devait être à 150 mètres cubes secondes, elle était plus qu'à 50 mètres cubes secondes. C'est une réalité. Hein. Une réalité. Et là, on peut économiser tout ce qu'on veut. C'est une réalité physique, naturelle, hydrologique. Vous savez, on peut arrêter de boire, ce n'est pas pour autant que ça remplit un verre. C'est celle-ci, la réalité.
Donc, on va devoir s'adapter. Et dans les adaptations, il y a différentes mesures à prendre en œuvre, et dont la valorisation des ressources existantes. Dans la valorisation des ressources existantes, il y a potentiellement les eaux souterraines. Et on était, je ne dirais pas qu'on était aveugle, parce qu'on n'était pas vraiment, pas totalement, mais le département de Lot-et-Garonne, il y a 4-5 ans, n'était pas en capacité d'avoir, voilà, un référentiel des potentialités, de la caractérisation des aquifères, des nappes, entre guillemets, de son département. Et nous avons pris la décision, en collaboration avec le BRGM et l'ensemble des partenaires qui viennent sur ce type de projet, l'Agence de l'eau, bien entendu, en premier cofinanceur, la région également, puisque la région avait initié, il y a quelques années, un programme d'amélioration des connaissances sur les eaux souterraines, à être, voilà, on a lancé cette fameuse synthèse hydrogéologique départementale qui nous permet aujourd'hui, et vous le verrez, puisque vous aurez des présentations plus techniques sur le rendu et la restitution de cette synthèse, nous permet aujourd'hui d'avoir quand même, malgré tout, une vision assez claire de ce que nous avons sous nos pieds, potentiellement dans les Pyrénées, et qui va nous permettre, ben voilà, d'avoir un outil pour mieux gérer ces ressources en eau souterraine qui, je le répète, sont déterminantes, sont stratégiques pour les années à venir. Ce travail nous permet, voilà, d'avoir à la fois valorisé des études qui étaient déjà existantes, les avoir complétées sur certains points, avoir permis de structurer l'ensemble des données, c'est toujours important, ce qu'on appelle dans une synthèse, et de les reconstituer dans un système d'information géographique, mais qui sera utile à tous les acteurs de l'eau, quels qu'ils soient, parce que voilà, c'est une mise aussi, c'est pas une étude qui va nous servir à nous à caler les bureaux ou les armoires, mais qui va être vraiment utile pour l'ensemble des acteurs de l'eau, et pas que, l'ensemble des acteurs publics ou privés qui ont un lien avec la ressource en eau. Ça nous permet, voilà, d'avoir une base de données actualisée qui se réactualisera d'ailleurs au fil de la production de nouvelles études. On a en parallèle au lancement de l'acquisition, de la réalisation de cette synthèse, lancé aussi côté conseil départemental, quand on dit c'est des ressources à protéger, à surveiller, à valoriser, ben, il faut aussi avoir la capacité à pouvoir les suivre, ces ressources. Contrairement à un cours d'eau où on l'a sous nos yeux et une mesure est vite mise en œuvre, il faut ce qu'on appelle des réseaux de suivi. Donc ce sont des piézos, des points de mesure, c'est comme des puits. Voilà. Bon, il y a beaucoup d'acteurs de l'eau, donc je ne vais pas décrire ce qu'est un piézo. Mais globalement, il y avait un réseau qui existait. On l'a un peu plus structuré en faisant ce qu'on appelle un réseau complémentaire départemental de suivi de la qualité de l'eau, ben, qui nous permet de suivre quasi en continu un certain nombre de mesures qualitatives sur certaines masses d'eau souterraines, nous permettant, ben, de suivre, ben, la qualité dans un premier temps. Et les résultats, on les présente chaque année depuis maintenant 2015 pour permettre d'avoir, voilà, de manière annuelle des bilans sur la qualité de l'eau. Ça nous a permis d'améliorer, bien sûr, la connaissance sur certaines ressources qu'on estime majeures et stratégiques, et nous permet aussi d'avoir une base de données sur la ressource en eau structurelle, bah, qui vient alimenter aussi la stratégie en matière de production d'eau potable à travers le schéma départemental d'alimentation en eau potable que nous avons porté, nous, le département de la Haute-Garonne. Ce qu'il y aurait à retenir, quelques grands éléments, parce que je vais en dire quelques-uns qui m'intéressent, parce que je connaissais ça un peu par cœur. Il y a quand même des eaux stratégiques à aller plus loin. Voilà. Il y a des connaissances qu'on avait sur les nappes d'accompagnement de la Garonne, ce qu'on appelle les nappes alluviales, qui nous permettent aujourd'hui de lancer un beau projet d'expérimentation pour les rehausser en ce moment, pour faire en sorte qu'elles viennent réalimenter le niveau de la Garonne en période d'étiage. Bon, c'est un projet porté par Réseau 31 et le BRGM, avec le soutien de l'Agence de l'eau et de la région,
qui nous permet sur 4 ans d'évaluer la potentialité de recharge d'abord des nappes, quel est le volume qu'on peut stocker potentiellement, est-ce que c'est 5 millions de mètres cubes, est-ce que c'est 20 millions de mètres cubes, ça n'a pas les mêmes conséquences, et quelle est ensuite la restitution en période d'étiage, quand on en a le plus besoin, cette eau, quelle est l'efficacité du transfert vers la Garonne, est-ce que c'est de l'ordre de 15%, ce qui serait mineur, est-ce que c'est plus de l'ordre de 25%, ce qui n'est pas la même restitution, si c'est 25% de 20 millions de mètres cubes, c'est 5 millions de mètres cubes qu'on remet dans la Garonne au moment où on en a besoin, ça nous sera très utile, sachant que c'est un mécanisme lent, donc de soutien progressif à l'étiage, ce qui est toujours intéressant pour les milieux. Bon, cette expérimentation va être suivie pendant 4 ans, elle est innovante, c'est une première en Europe, c'est pourtant une technique ancestrale, et les Romains l'utilisaient, hein, de noyer des canaux et des fossés, et après de faire des puits juste à côté, et de reprélever quand ils en avaient besoin. On réutilise cette vieille technique, il faut un suivi aussi qualitatif, parce que les champs qu'on inonde, ils ont eu un vécu, hein, un vécu agricole, avec des pratiques anciennes, ce n'est pas plus les pratiques d'aujourd'hui, mais les sols gardent la mémoire de ces pratiques-là, donc il y a un suivi qualitatif qui doit être fait aussi, mais qui reste quand même intéressant, parce que sur notre territoire, il y a d'autres cours d'eau qui ont ce même mécanisme d'encaissement dans ces terrasses et ces nappes alluviales qui pourraient être transposées ailleurs et qui pourraient être utiles, parce que c'est un modèle qu'on peut qualifier de vertueux, qui ne brise pas le cycle de l'eau, d'un stockage naturel qui n'est pas soumis à l'évaporation et qui est utile dans la diversification des réponses à apporter et dans les adaptations. Bien entendu, ce n'est pas un modèle à opposer automatiquement à la création de barrages ou de réserves. Mais là, sur place, sur ce lieu, oui, bien entendu. Après, des réserves et des barrages sur un sol granitique, vous ne pouvez pas faire ce type de mesure de réinfiltration. Sur les carstes du Causse ou du Larzac, vous ne ferez pas non plus ce type de modèle. Ce n'est pas un modèle qui est transposable partout. Autre action, et là, qui est plus intéressant aussi dans le cadre de ce que nous portons sur Garonne amont, on a lancé aussi un réseau de piézo, un réseau de suivi là, départemental, de suivi quantitatif de ces eaux souterraines, puisqu'il faut aussi diagnostiquer la potentialité, d'abord leur qualité, mais aussi quantitatif. Et ça, c'est un projet nouveau que nous avons initié, surtout à l'échelle des Pyrénées. Puisqu'on le sait, les massifs, on le voit, on l'observe en particulier là, cet hiver sec, on a beaucoup de ressources, beaucoup de villages des Pyrénées captent différentes sources. Bon, il y en a, elles se sont taries, alors que de mémoire d'homme, ça n'était jamais arrivé, surtout en période d'hiver. On est arrivé au mois de février avec des sources, des captages qui avaient un débit qu'on ne connaissait qu'au moment du pic de sécheresse. Et là, c'était à la sortie de l'hiver. Bon. Donc, caractériser aussi cette ressource dans les Pyrénées, la déterminer et la suivre par un réseau nous paraissait aussi tout aussi important de manière prospective et stratégique que aussi pour sécuriser l'alimentation en eau potable dans la période et dans le temps que nous traversons. J'irai pas plus loin, mais juste pour dire que dans le cadre du partenariat que nous avons avec le BRGM, dans la temporalité que nous sommes, les acteurs publics que nous sommes, nous, une collectivité comme le département, vous pourrez vous dire que vient faire le département sur la question de l'eau, de la gestion de l'eau, c'est pas lui qui gère quand on ouvre le robinet pour savoir s'il y a de l'eau. Cette compétence, elle est partagée, personne ne l'a vraiment. Donc nous, on a décidé qu'on l'aurait pleinement. Voilà. On est une génération d'élus, aussi on ne prend pas les décisions qu'il y a à prendre aujourd'hui, personne ne viendra les prendre à notre place, premièrement. Deuxièmement, on sera coupable devant l'histoire de ne pas avoir agi. Notre système aujourd'hui de production d'eau potable en Haute-Garonne est complètement immunodépendant du système hydrique de la Garonne. Toulouse, si au Bazacle, au mois de juin, il n'y a plus d'eau au Bazacle, hein, vous connaissez tous le Bazacle, c'est à quelques pas d'ici,
hein, vous le voyez quand vous passez un pont, eh bien, Toulouse Métropole perd à peu près 85% de son alimentation en eau potable. Il restera un peu par Saint-Aurens, l'eau qui arrive de la Montagne Noire. Mais enfin, je pense qu'on sera nombreux à se l'abattre, à se battre pour y accéder. Et toute la partie lauragaise du Sicoval n'est plus alimentée, non plus. Les deux plus grosses usines d'eau potable qu'il y a sur la Haute-Garonne, c'est l'usine PSE qui produit pour tout le Sicoval, plus l'usine de Pêche David qui produit pour tout Toulouse Métropole. Il reste l'usine de Tournefeuille, mais c'est la même ressource. Hein. Elle prend l'eau dans le canal de Saint-Martory, qui lui-même prend l'eau dans la Garonne. Et sans compter toutes les usines qu'on a en amont, le Muretin, voilà, et puis vous descendez jusqu'à Saint-Gaudens. Donc c'est une préoccupation majeure. On est complètement dépendant. Et quand on sait aujourd'hui que la Garonne, sans les lâcher des grands barrages EDF, n'aurait plus d'eau dans les périodes de sécheresse ou de grandes canicules, on doit réfléchir à des dispositifs pour préserver cette capacité encore d'avoir de l'eau dans la Garonne, mais aussi à commencer à réfléchir à des alternatives, à des solutions, voilà, pour préserver nos capacités à pouvoir vivre sous ces latitudes. Et ce n'est pas en se réfugiant derrière des débats complètement stériles qui nous empêchent à chacune et chacun d'entre nous, dans notre usage, de modifier nos propres comportements. Parce qu'il peut être simple de se réfugier en disant « arrêtons l'irrigation ». Et c'est bon, on a besoin de l'eau. Encore une fois, je vous le répète, c'est pas parce qu'on arrête de boire qu'on remplit un verre. La réalité n'est pas celle-ci. Les efforts en matière d'irrigation sur un territoire comme celui de Haute-Garonne, ils ont été faits considérablement. Les conseillers de la Chambre d'agriculture, cette année, ont travaillé main dans la main avec les conseillers agro-environnementaux du département de Haute-Garonne. Les assolements ont été changés, les semences ont été changées dès le mois de janvier. Face au risque qu'on avait de revivre le même été, moins 20% de maïs ont été décidés, plus 40% de colza, plus 40% de tournesol, et de basculer la plupart des semences fortement consommatrices en eau, sur certains bassins, sous-bassins de la Garonne, ont été basculées vers des cultures moins consommatrices en eau. Décision prise quasi unilatéralement par chaque agriculteur. Il reste des réfractaires, comme toujours. Bon, ils auront des difficultés de rendement s'il n'y a pas d'eau. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on ne doit pas affronter ces questions-là de l'adaptation, de la nécessité d'adaptation, en confrontant les usages les uns aux autres et les usagers des uns aux autres. Là, l'objectif, c'est vraiment de s'adapter tous ensemble et de prendre des décisions collectives pour adapter à la fois la gestion de notre ressource et la ressource existante, mais aussi nos capacités à pouvoir satisfaire l'ensemble des usages. Parce que je le dis très tranquillement, en particulier à mes amis qui habitent en centre-ville, qui aiment beaucoup aller acheter des produits agricoles, voilà, des produits bio, au marché de Saint-Aubin le dimanche, circuit court, produits bio, produits dans le Tarn-et-Garonne, pas très loin, tous ces produits méritent de l'eau et ont besoin d'eau pour être produits. Donc sans irrigation, il n'y a pas d'agriculture vertueuse non plus. Il n'y a rien qui sort de la terre sans eau, c'est comme ça. Donc si nous voulons maintenir, y compris nos capacités à pouvoir nous nourrir en proximité dans des circuits beaucoup plus vertueux, il y aura quand même la nécessité de préserver une capacité d'irriguer certaines terres. Et en cela, aujourd'hui, on doit prendre ensemble un certain nombre de décisions. Je me permets d'insister sur ces points parce que j'en peux plus des débats stériles. Voilà. Et nous, les décisions pour économiser, mieux gérer les ressources déjà existantes. Nous les prenons et nous les faisons. Je n'ai pas évoqué la sécurisation que nous faisons sur certains barrages actuellement, certaines retenues collinaires, si vous préférez, où on a mis en œuvre de l'interconnexion. Voilà, on a fait ça sur la vallée du Touche, sur 5 barrages.
où nous avons décidé de donner une vocation un peu plus multi-usage, décidée entre guillemets, hein, c'est pas, on n'est pas chez nous, on est chez des ASA, donc des collectifs d'agriculteurs irrigants, ou un syndicat mixte de la vallée du Syngal, on les a accompagnés pour se mettre d'accord, pour favoriser un système de remplissage via le canal de Saint-Martory, de ces barrages, en leur donnant une vocation aussi multi-usage, permettant ensuite le soutien du Touche et de la Louge. Bon, c'est un mécanisme aujourd'hui qu'on ne pouvait pas aborder il y a encore 5 ans dans les discussions avec le monde agricole, qui aujourd'hui sont rentrés autour de la table, c'est consensuel, et c'est ce qu'on appelle valoriser ou mieux gérer les ressources déjà existantes. Ce que nous avons fait sur l'Aussonnel, c'est typiquement cela. Nous avons racheté des barrages à Sainte-Foy-de-Pérolière, on les gère nous, on garantit encore une capacité d'irrigation pour les irrigants existants, mais ces barrages-là deviennent multi-usages et nous permettent de faire aussi de la réalimentation de l'Aussonnel lorsqu'on en a besoin. Bon, c'est le concert de toutes les forces, ce que j'appelle moi le cumul des forces, faire en sorte que chacun vise le même objectif. Un, l'eau est un bien commun, qu'il soit souterrain ou de surface. Deux, on doit mieux la gérer collectivement et partager la même trajectoire d'ambition, c'est-à-dire préserver l'ensemble des usages. Aller vers des pratiques vertueuses, quelles qu'elles soient, que ce soit un prélèvement industriel, un prélèvement pour un usage particulier ou pour l'irrigation, économiser. Voilà, il faut rentrer dans une démarche de modération de notre consommation en eau. Là, il y a des communes et des foyers en Occitanie, que ce soit en Lozère depuis l'été dernier ou que ce soit dans les Pyrénées-Orientales, et on a eu quelques communes qui ont connu cela dans les Pyrénées, qui ont appris à vivre avec 6 litres d'eau potable fournie par les pouvoirs publics par jour. Vous, là, dans la salle, en moyenne, vous consommez entre 110 litres et 120 litres par jour. C'est la moyenne, hein. Sauf si quelqu'un me dit « je me douche qu'une fois par mois », on le sentirait, même avec un grand volume comme ici. Ils vivent comme ça. Il y a de l'eau citernée, c'est-à-dire on met de l'eau dans des camions, dans des citernes, pour alimenter un eau potable. Je vous parle de l'Occitanie, je ne parle pas d'autre chose. Voilà. Au début de l'hiver, il y avait encore 19 communes en Lozère qui n'avaient plus accès à leur eau potable parce que leur source s'était tarie. Et ce que connaissent les Pyrénées-Orientales est une situation catastrophique. Et nous, il n'y a pas, on n'est pas à l'abri. Les discours de nos prédécesseurs, et pas si lointains, se considéraient dans une abondance naturelle qui allait perdurer. On parlait déjà du déficit structurel, du grand bassin Adour-Garonne, faudrait des grands ouvrages, des grands barrages, etc., etc. On en parlait déjà de ce déficit structurel, mais au fond, on ne le conscientisait pas dans notre propre quotidien. Aujourd'hui, nous y sommes déjà et on sait qu'il va y avoir des récurrences à ce type de mécanisme. J'ouvre ma dernière parenthèse. Si on avait inauguré c'est pour tuer définitivement aussi un débat. Si on avait inauguré en janvier le grand projet magique, solution unique de Charlas, aujourd'hui il y aurait une flaque au fond. D'accord? On aurait été en incapacité, dans le lieu là où il l'aurait été bâti, de pouvoir le remplir. C'est assez intéressant à analyser. C'est pas moi qui le dis, ce sont les experts qui le disent. Donc intéressant, voilà. Ça ne veut pas dire qu'en tête de bassin, un peu plus haut dans les Pyrénées, faudra pas créer un jour des réserves supplémentaires, donc créer des retenues supplémentaires. Mais c'est une fois qu'on aura tout mis sur la table. En tout cas, nous avons d'ores et déjà initié une réflexion, une concertation sur la potentialité de devoir aussi regarder ces pistes-là de stockage supplémentaire en tête de bassin, parce que c'est les caractéristiques de notre bassin hydrographique. Pour permettre malgré tout de stocker de l'eau parce que nous allons en avoir besoin. Donc je terminerai là. Sachez que la volonté du département, mais là je parle à l'ensemble des acteurs, c'est d'aller plus loin maintenant, de regarder par exemple les aquifères fluviaux glaciaires dans les Pyrénées
pour voir s'il n'y a pas des potentialités remarquables, non pas de suite pour y faire un trou, d'envoyer des tuyaux partout et de dire ça y est, nous sommes sauvés, mais justement pour identifier, caractériser cette ressource et les garder comme des ressources ultimes. Comme des ressources ultimes. Parce que peut-être que des fois ça arrivera, non pas qu'il y ait plus d'eau dans la Garonne, je pense qu'on arrivera toujours à en lâcher, mais si elle coule à 30 degrés. Parce que nous sommes à 3 semaines de suite à 45 degrés, 50 degrés de température. On a connu ça sur une semaine l'année dernière. On pourrait le connaître pendant 3-4 semaines. Si l'eau dans la Garonne est à 30 degrés, personne ne sait faire de l'eau potable avec une eau à 30 degrés. Bah, aujourd'hui, c'est pas trop le faire. C'est des bouillons de culture qu'on prélève et là, on a beau traiter, c'est limite. Le seuil de potabilité est 25 degrés. Enfin, le plafond. On l'a dépassé quelques fois l'année dernière. Voilà. On a eu un seuil de tolérance de l'ARS de dire, voilà, souvent, d'ailleurs, pourquoi l'été, on dit à Toulouse ou ailleurs, putain, l'eau, elle a un goût, elle est chlorée. Oui, elles sont chargées. Bon. Peut-être que là, c'est à ces moments-là où il faudra mobiliser les ressources, hein, qu'on pourrait dire ultimes, à aller chercher, qui est moins chaude, etc., pour produire de l'eau potable. Mais pour faire ça, pour être en capacité de le dire, de le déterminer, de le mettre en œuvre, ben, il faut encore acquérir de la connaissance, et là, place aux experts. Donc, je vous laisse maintenant la parole, une bonne restitution. Je vous laisse, parce que je connais un peu le sujet, et je vous dis une belle réunion de travail. On va donner la parole aux cofinanceurs de cette étude, en commençant par le conseil régional. Bonjour, mesdames et messieurs. Donc, je suis Véronique Léon, chargée de projet au service eau, milieu aquatique et risque à la région Occitanie. Et tout d'abord, je vous prie de bien vouloir excuser la présidente de la région qui n'a pas pu être représentée aujourd'hui. La démarche prospective sur l'eau H2O 2030, menée par la région Occitanie en 2016, dans le cadre de la préparation du premier plan eau régional, a mis en lumière la grande richesse du patrimoine eau de notre région, notamment l'importance des sources souterraines. Tout en mettant en évidence un manque de connaissances sur certaines de ces nappes d'eau. Face à ces constats, et dans l'objectif d'approfondir les connaissances sur cette ressource sur les territoires régionaux, la région Occitanie soutient depuis plusieurs années la réalisation d'études hydrogéologiques, souvent initiées à l'échelle départementale sur son territoire. La présente synthèse hydrogéologique réalisée par les VRGM vient renforcer de manière significative la connaissance des eaux souterraines du département de la Haute-Garonne et mettant à disposition de tous les acteurs de l'eau, mais également du grand public, un véritable outil de consultation et d'aide à la décision. Dans ce sens, cette étude, financée par la région Occitanie à hauteur de 40 000 euros, soit près de 18% du montant total du projet, permet à la fois un recensement et une valorisation de toutes les connaissances acquises sur les aquifères départementaux. C'est l'aboutissement des 3 années de travail. Au niveau régional, cette étude s'inscrit dans l'objectif de sécurisation de l'approvisionnement en eau régionale poursuivi par la démarche eau, en précisant le potentiel des ressources en eau souterraines d'un territoire présentant des forts enjeux, notamment avec la plaine de la Garonne et la métropole de Toulouse. Enfin, cette opération est en totale cohérence avec les objectifs poursuivis dans le nouveau plan eau régional qui sera présenté au vote des élus régionaux les mois prochains. Cette nouvelle feuille de route régionale prévoit des actions concrètes qui viseront, entre autres,
à poursuivre l'accompagnement des actions visant à examiner le potentiel des eaux souterraines, non seulement via des études prospectives, mais aussi via le soutien à l'expérimentation des recharges des nappes phréatiques, comme c'est déjà le cas pour les projets portés par les conseils départementaux. Je remercie vivement le département de la Haute-Garonne et les VRGM d'organiser cette journée de restitution qui, je n'en doute pas, sera riche en enseignements. Merci. Et on va donner la parole maintenant donc à l'Agence de l'eau, Madame Vitten. Bonjour à tous et merci au département de Haute-Garonne pour son invitation pour cet après-midi de travail. Donc je suis Aude Vitten, je suis directrice générale adjointe à l'Agence de l'eau à Dour-Garonne. Et je voulais peut-être commencer mon propos par reprendre un point qui me paraît vraiment important dans l'intervention de Sébastien Vincini tout à l'heure. Quand il a parlé finalement de l'antériorité de la réflexion dans ce bassin, dans ce département, sur la notion de déficit structurel. Ça ne date pas d'hier, ça ne date pas de la sécheresse 2022, le fait que dans ce territoire, on travaille cette notion de déficit entre les besoins et les ressources. Et de fait, notre bassin à Dour-Garonne, très exposé, très vulnérable au changement climatique, et je vais y revenir, connaissait déjà, chaque année, des restrictions d'usage de l'eau. Pas partout, pas massivement, et c'est en cela que 2022 a constitué une année un petit peu de rupture. Mais ce travail de réflexion au sein du comité de bassin, au sein des commissions territoriales, au sein des collectivités actrices de l'eau que vous êtes, acteurs de l'eau que vous représentez ici, il a connu plusieurs moments fondateurs qui ne datent pas d'hier. L'un des premiers moments fondateurs, et Sébastien Vincini l'a rappelé, c'est Garonne 2050, qui a permis déjà de poser des ordres de grandeur et de se projeter dans l'avenir. Que va être ce territoire, que va être cette vallée de la Garonne en 2050 en termes d'accès à l'eau? C'est ça qui a permis au comité de bassin à Dour-Garonne de construire son plan d'adaptation au changement climatique en 2018, qu'il a d'ailleurs adopté à la quasi-unanimité, ce qui est quand même assez remarquable. Et ça, c'était dès 2018. Ce qui a permis au comité de bassin, à la présidence d'Alain Rousset, qui en a pris les rênes début 2021, de poser les bases d'une stratégie d'action, d'une stratégie de réponse en termes d'adaptation, principalement axée sur les enjeux quantitatifs, mais qui n'oublie pas les enjeux qualitatifs. Et on va y revenir, parce que dans les logiques d'action, connaître, c'est protéger en quantité et en qualité. Et c'est extrêmement important pour l'usage de l'eau, parce que finalement, l'usage de l'eau, il dépend non seulement de est-ce que mon verre est à moitié plein ou à moitié vide, ou totalement vide, bien sûr, mais aussi, est-ce que je peux la boire ou est-ce que je vais plutôt arroser une plante avec, en fonction de sa qualité. Donc on voit bien que les deux enjeux sont assez indissociables. Dans sa stratégie de réponse à cette menace de déficit très fort, puisque le PAC, qu'est-ce qu'il a fait finalement? Il a dit, aujourd'hui, le déficit que connaît à Dour-Garonne, c'est de l'ordre de 250 millions de mètres cubes, qui se traduit par ces fameux arrêtés de restriction qu'on connaît année après année. Donc il y en a bien un aujourd'hui de déficit. Mais demain, si rien n'est fait, demain en 2050, il va être de 1,2 milliard de mètres cubes. Et ça a été le deuxième moment très fondateur pour ce bassin, que de conscientiser l'ampleur de la marche. Et de ne pas rester paralysé évidemment devant l'ampleur de la marche, parce que en 2021, la stratégie de gestion quantitative, c'était justement d'imaginer et de quantifier un mix de solutions, un peu comme un mix énergétique, en réponse à ce déficit potentiel de 1,2 milliard de mètres cubes si rien n'était fait. Et dans ce mix de solutions, on trouve les notions de réutilisation de l'eau, la reuse, utiliser plusieurs fois la même goutte d'eau, les notions d'optimisation des retenues existantes, comment certaines retenues qui aujourd'hui sont laissées à l'abandon ou ne sont plus utilisées peuvent être reconnectées à du parcellaire, des logiques d'économie d'eau,
parce que ça fera partie aussi des enjeux qui sont devant nous, de modération des usages, on ne pourra pas passer l'équation sans ça, des enjeux de transformation de nos modèles de production, de nos modèles d'aménagement du territoire, ça fait partie de l'équation là encore. La question de comment peut-on soutenir davantage l'étiage, c'est une politique qui est très fortement menée ici par le département 31 avec le soutien du débit de la Garonne en été à partir de retenues hydroélectriques, principalement gérées par EDF. Ça aussi, c'est un enjeu de réflexion fort du comité de bassin. Bref, en dimensionnant l'ensemble de ces leviers, on arrive à identifier comment on peut remobiliser des solutions jusqu'à 850 millions de mètres cubes et donc rester dans les bases d'un déficit avec lequel on peut vivre. Le troisième moment fondateur, c'est quand même, et je l'indiquais, la sécheresse très forte qu'on a connue en 2022, qui s'est traduite d'abord par des restrictions qui sont prolongées tout au long de l'automne et certaines même, comme l'a rappelé Sébastien Vincini, jusqu'en janvier de cette année, qui se sont traduites par des restrictions, des arrêtés sécheresse qui ont concerné l'ensemble des départements de ce bassin. Aucun des 26 départements n'a échappé à cela. Et là, on peut dire qu'on a quand même franchi une forme de tournant dans l'expérience en fait que vivent les acteurs de l'eau sur ces enjeux-là. Et donc, le plan eau qui s'est déclenché le 30 mars, qui a été annoncé et lancé par le président de la République le 30 mars de cette année, vient en quelque sorte conforter les orientations prises par le comité de bassin, parce qu'il reconnaît et il conforte l'échelon des grands bassins hydrographiques et l'échelon des sous-bassins, dont ici le sous-bassin Garonne, qui est piloté par une commission territoriale et dans laquelle les élus sont impliqués en portage. Il vient donc conforter cette logique de gouvernance hydrographique à l'échelle des grands bassins hydrographiques, des 6 agences de l'eau et des sous-bassins portés par notamment à laquelle sont construites nos grands EPTB ici dans ce bassin, comme étant les bons échelons de réponse, ce qui était évidemment très important. Il vient donner des moyens accrus aux agences, avec l'annonce de 475 millions d'euros supplémentaires pour venir abonder les budgets d'intervention des agences. Et puis il vient donner des coups d'accélérateur importants sur des sujets sur lesquels on a besoin d'avoir une collaboration avec les services instructeurs au sein des services de l'État, par exemple sur la reuse, qui est un des éléments majeurs sur lesquels on mise pour répondre en termes d'adaptation au changement climatique. Donc il apporte des réponses qui arrivent à point nommé pour passer dans cette phase d'action et en réalité d'accélération, car tout se joue en fait dans les prochaines années. Notre comité de bassin, tout en ayant posé cette stratégie qui vient se voir confortée et en accélération, a confié, comme je l'indiquais, aux grands établissements publics territoriaux de bassin le soin de construire des feuilles de route adaptées aux spécificités de chaque sous-bassin qui permettent de combler, chacune à leur niveau, ce risque de déficit. Et nous sommes aujourd'hui dans cette séquence-là. Nous sommes dans une séquence où le comité de bassin a validé ses stratégies et où on va entrer dans une phase de mise en œuvre. Pour cette mise en œuvre, évidemment, le premier levier, l'argent étant le nerf de la guerre, c'est les finances. C'est comment un organisme comme l'Agence de l'eau va pouvoir accompagner et dimensionner cet investissement massif d'adaptation dont on a besoin pour être prêt à faire face aux réalités du changement climatique dans ce territoire. Pour cela, nous avons démarré avec nos instances qui nous gouvernent. Vous savez qu'on a un conseil d'administration et des instances à la fois de bassin et territorialisées, comme je vous l'indiquais. Nous avons commencé à travailler à notre 12e programme d'intervention qui va, sur 6 années à partir de 2025, devoir constituer la réponse budgétaire, en fait financière, aux besoins d'investissement dans les territoires. Et pour cela, nous y travaillons avec le conseil d'administration et au sein d'une commission qui est pilotée par Sébastien Vincini, qui est membre du conseil d'administration et qui a été élu à la présidence de cette commission. Le deuxième enjeu pour agir à bon escient, c'est évidemment la connaissance, et j'en viens à l'objectif de cet après-midi de travail. Pour protéger et pour agir, on a besoin de connaître, et donc l'Agence de l'eau se réjouit de la présentation cet après-midi des résultats de ces travaux de connaissance de la situation hydrogéologique de ce département de Haute-Garonne dont on avait effectivement absolument besoin et qui va être majeur. Parce que aussi le SDAGE à Dour-Garonne que nous avons validé en comité de bassin
en 2022, début 2022, et qui va courir jusqu'en 2027, il identifie bien la nappe d'accompagnement de la Garonne comme une ressource stratégique pour le futur, c'est-à-dire un enjeu, un secteur prioritaire sur lequel investir pour la qualité de l'eau et pour la préservation de sa bonne santé quantitative. Tout à l'heure, le président Vincini a parlé de cet enjeu stratégique. On considère vraiment ces nappes comme des trésors pour l'avenir, en fait. Aujourd'hui, certes, l'eau potable de ce département ne dépend pas des eaux souterraines, encore que le principe d'unicité de la ressource veut qu'on considère un peu tout cela comme un même cycle de l'eau, et le principe d'unicité de la ressource est évidemment dans la tête de tous. Mais pour demain, pour préserver les droits en fait, des générations futures, c'est bien l'enjeu même du développement durable, hein. C'est que cette Assemblée aujourd'hui se saisisse pleinement de la question, arrive à appréhender vraiment les caractéristiques de ce système hydrogéologique de ce secteur de nappe d'accompagnement de la Garonne, pour qu'on arrive dès maintenant, et en vue des échéances que je vous évoquais, il y a bien sûr le 12e programme, mais il y a aussi le futur SDAGE sur lequel on va devoir à nouveau reposer les enjeux, bah qu'on ait tous les éléments de connaissance pour prendre les bonnes décisions pour les prochaines années. Et cela, c'est des choses qui vont nous aider à la fois dans le cadre du travail de planification et de programmation financière de l'agence que je vous évoquais, mais aussi très concrètement et dès maintenant dans la conduite des projets qui se nouent sur ce territoire et qu'on a identifié hein, dans le cadre de la stratégie Garonne et des PTGE notamment, qui sont notamment pilotés par le département, le PTGA notamment, pour venir finalement conduire de bonne manière les projets dont on a besoin maintenant pour commencer à prendre ce tournant d'adaptation au changement climatique. Je pense notamment à ce projet de recharge de nappe évoqué tout à l'heure à partir du canal de Saint-Martory, mais le PTGA lui-même a besoin de s'alimenter en connaissances et tout cela arrive à point nommé. Voilà pour ces quelques mots. Je voulais encore une fois vous remercier pour la qualité de ces travaux et m'excuser parce que je ne vais pas pouvoir assister à l'entièreté de leur présentation, mais voilà, les équipes de l'agence Adour-Garonne qui sont là m'en ont fait une synthèse et puis on suivra évidemment les suites qui sont données à ces travaux au travers des projets qui sont pilotés par les acteurs locaux et que j'évoquais. Vous redonner peut-être comme perspective et qui concerne plus ce secteur du sous-bassin Garonne, le fait que le prochain comité de bassin, qui aura lieu en juillet, sera particulièrement dédié à la construction de la déclinaison en Adour-Garonne du plan eau. On a évidemment des prémices, on voit tous les points sur lesquels on va pouvoir s'appuyer en termes de plan eau par les opportunités qu'il offre de pouvoir accélérer et rendre complètement concret la stratégie que nous avions déjà, mais il y a ce travail quand même de maillage et d'articulation et de mise en lisibilité qu'on a besoin de faire et sur lesquels nous aurons encore, je pense, probablement un mandat qui sera donné aux commissions territoriales et aux EPTB pour poursuivre leur action de feuille de route, de programmation et de planification de l'action. Voilà. Donc les choses vont se jouer à la fois à l'échelle du Grand Bassin, mais aussi, et on y tient beaucoup, l'agence est organisée exactement pour cette raison-là en délégations territoriales qui sont au cœur des territoires. On aura besoin de cette déclinaison par sous-bassin auquel on aura plaisir à travailler avec vous et je reconnais beaucoup de visages connus qui siègent dans la commission territoriale Garonne. Donc à bientôt et merci. Donc nous allons rentrer dans le cœur technique de la réunion avec la présentation par le BRGM de la restitution des travaux qui ont été engagés. Ça marche, oui. Eh bien, bonjour à tous. Je vais vous faire une petite confidence. Jamais un élu m'avait spoilé comme ça une présentation. Hein. Merci le président. En même temps, il est hydrogéologue, donc ça se comprend. Donc moi, je vais revenir, hein, surtout parce qu'il a fait un beau tour d'horizon de toutes les questions autour des eaux souterraines. On va les rebalayer de façon aussi pédagogique. L'idée étant que cette présentation soit accessible à tout le monde. Je vois des personnes qui sont des collègues hydrogéologues aussi universitaires ou dans des bureaux d'études qui ont aussi tout à fait ces connaissances.
Mais l'enjeu, c'est que vous qui avez aujourd'hui fait un petit trou dans votre agenda, bah, vous repartiez avec des notions assez avancées sur ce que c'est... ce que sont les eaux souterraines, et puis que vous deveniez aussi ambassadeur de cette connaissance, sachant qu'on m'avait fait la réflexion, hein, c'était Fenner, en me disant la donnée, il ne faut pas seulement qu'elle soit disponible, encore faut-il qu'elle soit compréhensible, sinon c'était comme si elle n'existait pas. Donc le contexte, le président l'a évoqué, plutôt... lorsqu'il travaillait à la région, c'est en effet, on a eu, dans le cadre d'un projet qui avait été, enfin c'était même plus qu'un projet, c'était un grand programme, hein, initié par la région, l'agence, le BRGM, les conseils départementaux, un projet qui s'appelait Ongère, qui avait pour objectif de mettre un outil, on parlait déjà, hein, de gérer de façon durable la ressource en eau, et en particulier celle des eaux souterraines. Et... il y avait plusieurs modules et l'un d'entre eux avait pour objectif de réaliser des synthèses hydrogéologiques départementales. On savait que dans les années entre les années 70 et 90, le BRGM avait conduit au niveau national des opérations d'évaluation des ressources hydrauliques. En général, ces rapports sont relativement précieux. Il y a eu des forages aussi à ces époques qui ont été faits. Et donc l'objectif, c'était soit d'actualiser ces connaissances, soit de faire un état quand ça n'existait pas. Et c'est le cas en fait de la Haute-Garonne où il n'y avait pas de données existantes et donc il fallait faire cette synthèse. Donc une synthèse, c'est quoi? Ça rassemble en fait le contexte géographique du territoire, sa géologie, puisque on va voir, hein, l'hydrogéologie découle directement de la connaissance géologique. Et évidemment, c'est une donnée qui peut être très complexe, et donc ces synthèses ont toujours eu pour mission de faire une simplification de cette géologie et une présentation à l'échelle du département. Puis après, on balaye les questions d'hydrologie, description des aquifères. On donne des informations sur les aspects à la fois quantitatifs et qualitatifs sur les eaux. On peut même avoir des focus pour les territoires concernés sur les eaux thermominérales. Et puis, des notions aussi de conservation et de protection. Vous voyez, j'ai mis un extrait du CIGES. Je reviendrai un peu plus tard sur ce que c'est, le système d'information pour la gestion des eaux souterraines de l'Occitanie. Mais en tout cas, les données pour les autres départements existent et sont téléchargeables sur ce site-là. La synthèse de la Haute-Garonne, ça a été dit. Ces travaux-là, pour la Haute-Garonne comme pour les autres départements, c'est fait par le BRGM, mais en partenariat avec le département concerné, la région et puis l'agence de l'eau. Pour cette nouvelle, puisque c'est un peu la dernière, ne restera que l'Aveyron, et pour l'instant elle n'a pas été initiée, mais c'est la dernière synthèse qui paraît. L'idée étant, sur retour d'expérience des autres travaux, c'est qu'on ait un document qui soit peut-être un peu moins étoffé, mais un peu plus accessible, avec l'idée, jusqu'à présent, c'était que cette donnée-là soit vraiment profitable pour les experts. C'est vrai que c'est aussi le rôle du BRGM, hein, de rassembler de l'information et de la diffuser. Mais il y avait une volonté, et notamment portée par aussi les partenaires, c'est que c'est bien que les experts en sachent plus, mais ce qui serait encore mieux, c'est que tous les acteurs de l'eau que vous êtes ici aujourd'hui, que vous représentez aujourd'hui, c'est que vous aussi, vous puissiez avoir accès à cette information, et de façon un peu plus didactique. Et donc vous allez voir, on a fait aussi un effort pour vulgariser, pour illustrer ces données-là. Et donc l'idée étant, c'était aussi de venir partager cette connaissance en organisant un atelier de restitution, ce qui ne se faisait pas forcément pour les autres synthèses. Et enfin, c'est de mettre à disposition aussi, on est à l'ère plutôt du numérique, donc l'idée c'est qu'un rapport, ça avait tendance...
c'est pérenne, mais ça a tendance, ça se garde. Mais les données, en tout cas, on est aujourd'hui au temps réel où on a des campagnes de mesure, que ce soit nous ou que ce soit les campagnes qualité qui sont faites régulièrement. Et donc, c'est de voir comment on peut accéder à une donnée qui est toujours la plus récente et actualisée. Et que ça devienne, du coup, un outil d'utilisation pour vous. Et je vais vous montrer tout ça. Donc, en première partie, on va monter un peu crescendo sur la difficulté pour que tout le monde puisse, à un moment donné, avoir l'information qu'il est venu chercher aujourd'hui. Donc, je vous fais un point sur... vraiment, je rappelle les basiques sur ce que c'est que l'eau souterraine, comment ça fonctionne. Ensuite, je vous présente la carte hydrogéologique du département. Et donc, je vais pouvoir introduire les différents aquifères. Et puis, je vais vous présenter ce fameux système d'information géolocalisé pour vous l'introduire et que ensuite vous puissiez être un utilisateur. Et puis, je vais vous parler un peu aussi, parce que la synthèse, c'est une chose, hein, mais c'est aussi, c'est, on va dire, c'est le socle pour mener par ailleurs des actions qui, elles, sont de plus en plus opérationnelles pour faire face à la situation que nous ont décrit soit le président Vincini, soit Haute-Vitaine. Et donc, je vais vous parler des nouveaux ou des outils ou ce qu'on fait évoluer sur au niveau du niveau des nappes, les outils de prévision, le projet de recharge Air-Garonne, l'observatoire des sources. Olivier Louis aussi viendra intervenir sur ce point-là. Et puis, la ressource dans les Pyrénées, justement, le programme sur le fluvio-glaciaire. Donc, on commence. Je repars de la base, mais sur le cycle de l'eau. On le connaît tous au moins, mais petit rappel quand même, surtout aujourd'hui, on parle sur les nappes sont-elles hautes, est-ce qu'elles sont rechargées, etc., de se rappeler comment ça fonctionne. Donc on a bien sûr des précipitations, si on commence par là, qui tombent sur un bassin versant, deux choses, puisque sur le territoire de la Haute-Garonne, c'est le cas, on a un massif montagneux, soit c'est de la pluie, soit c'est de la neige, avec le grand avantage que la neige va constituer un premier niveau de stockage de l'eau. On voit que cette année, où on a eu un taux d'enneigement relativement faible, on sait qu'on ne peut moins compter sur cette ressource-là qui, bien souvent, va apporter de l'eau dans la Garonne très tardivement. Et vous savez peut-être que les eaux les plus hautes qu'on peut avoir dans la Garonne, ça peut être en juin, alors qu'on est déjà très avancé dans l'année, parce que justement, on peut avoir des épisodes comme ça de fonte de neige importante. Puis cette eau qui tombe, elle va se partager entre une part qui va plutôt ruisseler et qui va venir rejoindre les cours d'eau, ou bien elle va s'infiltrer. Et lorsqu'elle va s'infiltrer, elle va venir rejoindre des roches, et c'est ce qu'on va appeler les nappes souterraines ou les nappes profondes. Donc là, on va constituer un deuxième stock. Et puis, vous savez... que ces eaux-là, même si elles s'écoulent bien plus lentement que les eaux d'un cours d'eau, elles vont quand même circuler et puis elles vont émerger soit à la faveur de sources, dont on en a parlé, ces sources qui vont être captées, soit elles vont venir réalimenter les cours d'eau pour les nappes alluviales. Et puis, in fine, tout cela va finir dans l'océan ou plus en amont dans des lacs. L'eau va être à nouveau évaporée, soit directement par la chaleur, soit elle va être puisée par les végétaux, et là, elle va être évapotranspirée, c'est-à-dire que les végétaux, en fabriquant la photosynthèse, ils transpirent, et l'eau retourne dans l'atmosphère, et à nouveau, le cycle recommence. Donc, sur les nappes, qu'est-ce qui se passe? On a un cycle. Alors, ça, on parle des nappes, où on entend souvent le terme de nappe phréatique. En fait, ça vient du grec phréa, qui veut dire le puits. Ça veut dire que c'est les nappes qui sont accessibles directement par un puits. Donc, c'est des nappes qui sont plutôt peu profondes. Et ces nappes-là, elles sont en lien direct avec les précipitations. Et vous avez un peu deux situations.
plutôt en automne, hiver, où la pluie qui va tomber va s'infiltrer progressivement, va saturer... voilà, excusez-moi, j'ai pas de souris. Donc là, si on décrit ce que c'est ici dans une nappe, on a des graviers, des sables, enfin des terrains qui sont plutôt perméables, qui vont reposer sur un substratum. Donc ça, c'est, on parle, mais c'est en fait sur une couche géologique plus imperméable. Et donc l'eau va s'infiltrer progressivement. Ici, entre les petits grains, on a des pores dans lesquels on a de l'air. Et là, progressivement, les pores entre les grains vont se saturer. Et c'est ce qui va constituer une nappe. Donc déjà, l'idée qu'on a des nappes, que les nappes, c'est des sortes de poches d'eau, que ce soit ou des veines, ou que ce soit des rivières souterraines, vous voyez que ça, ce n'est... Évidemment, hein, les eaux souterraines, on ne les voit pas sous nos pieds, donc on ne fait que se les imaginer. Et les représentations qu'on peut en avoir, même sur tous les schémas qui sont véhiculés dans les médias, la réalité est assez lointaine de ces schémas-là. Donc celui-ci est un peu plus juste. Donc on est en hiver, la pluie va s'infiltrer. Vous voyez, les végétaux sont plutôt en dormance. Et le niveau, donc là, ce qu'on appelle un piézomètre, donc a priori, vous savez tous ce que c'est. Donc c'est un forage dans lequel on peut mesurer le niveau de la nappe et qui va s'établir à peu près à ce niveau-là. Et puis, progressivement, on va arriver à cette période de l'année, à partir de mai, et de mai jusqu'à novembre, on va plutôt avoir une décharge de la nappe, c'est-à-dire que non seulement les végétaux en fait, vont puiser dans la nappe, mais également si on a un orage au printemps ou même une petite pluie, cette pluie-là, elle va humidifier les sols et elle va être directement reprise par la végétation et, comme je vous disais, va être évaporée. Et donc, immanquablement, le niveau des nappes va descendre. Et c'est pourquoi on a autant communiqué ces derniers temps sur la recharge hivernale, puisque une fois qu'on a passé cette saison-là, toute pluie qui va arriver n'arrivera plus à la nappe. Elle sera reprise par les milieux par ailleurs, mais elle n'arrivera plus à la nappe. Alors, je vous ai mis une chronique, justement. Donc, une chronique, c'est dans ces piézomètres, on installe une sonde qui va mesurer le niveau de la nappe, vous l'avez vu. Aujourd'hui, on met en place des petites cartes SIM, comme vous avez dans vos téléphones, et cela permet d'envoyer la donnée sur un service FTP, et donc on peut avoir comme ça de la donnée en temps réel. On mesure, il y a une mesure faite, je ne sais plus le pas de temps, mais c'est plusieurs mesures par jour. Et donc si on prend par exemple la chronique du piézomètre qui se trouve en Haute-Garonne, à Saint-Élix, je vous propose de regarder déjà... la courbe du milieu, enfin la chronique au milieu. Donc ça, c'est l'année, j'ai mis l'année 2021, l'année 2023 et l'année 2022, 2023. Donc pour illustrer ce que j'expliquais, c'est on finit en octobre, on est au niveau, donc c'est le niveau ce qu'on appelle les basaux, c'est là où vraiment les nappes vont être les plus basses, et puis progressivement elles vont se recharger, et puis après elles vont se décharger. Donc là, une première chose aussi, vous voyez ce pic, c'est qu'on a une alimentation des nappes par les précipitations, mais aussi pour ces nappes, en tout cas les nappes dites alluviales, qui sont en lien avec un cours d'eau. J'aurai un schéma pour un peu plus illustrer cela. Il va être soit alimenté, donc en hiver, une crue, comme celle qu'on a connue l'année dernière, le 11 janvier de la Garonne. La Garonne va, par son niveau très haut et plus haut que le niveau de la nappe, va venir aussi alimenter et recharger la nappe. Et c'est ce qui a fait de nous l'année dernière, alors qu'en Charente ou dans le nord de la France, déjà 2022 avait connu une recharge assez faible, et bien dans le sud-ouest, en tout cas, nos nappes étaient, à même époque, on était plutôt à un niveau modérément haut, un petit peu plus haut que la normale.
Cette année, on est un peu plus bas que la normale, mais à l'époque, parce qu'on a eu notamment cet épisode de crue. Et puis, vous voyez, à partir d'avril, avril-mai, on a une décharge de la nappe. Donc, l'année dernière, évidemment, comme on a eu en plus très forte sécheresse, on a une descente, mais finalement, ce qui jouait, c'était du point d'où on était parti. Vous voyez, cette année, c'est pas la même. On voit bien quand on explique qu'on a manqué de pluie à la période où on en avait besoin, donc la période où enfin, les nappes en ont besoin pour se recharger. Eh bien, déjà, on partait de bas avec l'année dernière. Si vous vous souvenez bien, novembre, il faisait encore assez chaud. Novembre 2022, il faisait encore assez chaud. Donc, la végétation a mis du temps à se mettre en dormance. Donc, on a mis du temps à ce que l'eau vienne vraiment recharger les nappes. Et on a eu une recharge, vous voyez, qui est quand même bien moindre que les années précédentes. Et on a amorcé la descente, mais avec les dernières pluies, là, vous voyez, c'est du temps réel, on voit qu'on a un peu retardé la chute du niveau qui va se produire cet été. Et si on regarde l'année 2021, vous voyez quand même que les cycles se suivent, mais se ressemblent. En gros, se ressemble, mais dans le détail, pas tant que ça. Eh bien, on voit que dès février, en 2021, on a eu la fin de la recharge. La recharge a été aussi très courte et on a eu une descente, comme ça, jusqu'au mois d'octobre. Voilà, donc maintenant, c'est chronique. Vous y avez tous accès, maintenant que vous savez comment elle fonctionne, et je pense que l'outil le plus facile et le plus didactique, entre guillemets, c'est le portail UBO, qui est un portail de Hauts-de-France, qui est développé entre autres aussi avec le BRGM. Mais vous voyez, il propose des données sur de façon très large dans les thématiques, hein. Il y a des données sur les poissons, et il y a des données sur les piézomètres. Et lorsque vous ouvrez cette API, vous allez avoir ces points qui vous renseignent, qui vous indiquent les points où on a du suivi en continu. Si vous cliquez sur le point qui vous intéresse, vous allez avoir la chronique qui s'affiche avec les données temps réel, donc celles du jour. Et si vous voulez aller plus loin, vous cliquez sur ce lien qui va vous envoyer sur la plateforme ADES. Donc ça, c'est le portail des eaux souterraines. Et vous allez pouvoir retrouver la chronique, par exemple, que je vous ai proposée. Vous allez du coup pouvoir... Là, j'avais fait une sélection sur 2020-2023, mais vous allez pouvoir avoir des chroniques bien plus longues. Vous allez aussi avoir accès à ce qu'on appelle l'IPS. C'est un indice standardisé des niveaux. Et ça va pouvoir vous montrer où se situe la courbe. Est-ce qu'on est plutôt par rapport à 10 ans de chronique ou 20 ans de chronique ou même 50 ans pour vraiment les plus vieux, comment on se situe? Est-ce que c'est un niveau bas qu'on n'a jamais connu, au contraire niveau haut, et on peut comme ça comparer chaque mois pour chaque mois d'avril de toutes les années précédentes. Pardon. Ah, pardon. Bonjour. J'aurais une question, alors sans doute dans un langage vulgarisé par rapport au vôtre, et je vous prie de m'en excuser. Une légende urbaine disait qu'on avait eu autant d'eau les années précédentes, mais diffusée différemment de mois en mois. Ce qu'on voit là sur le graphique que vous nous donnez, malgré tout, c'est en 2021 une pluie beaucoup moins abondante, en 2022 une pluie que je ne sais pas si standard ou pas par rapport aux années précédentes, et en 2023, une catastrophe en termes de pluie en ce début d'année. Est-ce que cette valeur, si on prenait une chronique plus longue, on arrive à établir si c'est réellement sur le territoire de la Haute-Garonne une pluie assez classique que nous avons sur les dernières années, mais diffusée différemment, ou est-ce qu'on a réellement une baisse en termes de pluviométrie ou pas? Alors, bon, pluviométrie, là, c'est plutôt Météo France. Donc, je vous réponds, moi, plutôt peut-être sur les nappes, en tout cas. Mais nous, quand je dis qu'on est modérément bas par rapport à la moyenne, c'est par rapport à la moyenne sur toute l'historique qu'on peut avoir.
Donc, en effet, on fait ces analyses statistiques et quand on rend chaque mois cet état des nappes, c'est en comparaison avec ce qu'il est, ce que bref, vous le retrouvez, on le trouve. Je poursuis. Pardon, moi aussi, j'aurais une question. Attendez, ce qu'on va faire, on va faire juste finir celle-là parce qu'après, on a un temps de questions. Ah. Hein, donc, juste deux secondes, ça permettra de tout regrouper. Voilà. Très bien, bien vu. Oui, donc parce que là, je vous ai parlé, évidemment, pour commencer, parce que c'est aussi le territoire du département qui est en majorité dans cette configuration, c'est-à-dire, vous voyez, à gauche, on est dans un territoire de plaine, avec un cours d'eau, avec des terrains dit poreux. Donc je vais vous introduire, pour ceux qui connaissent pas, le mot aquifère que vous entendez aussi certainement souvent et qui veut en fait correspond à la roche qui va être réservoir, qui va contenir de l'eau et non seulement qui va pouvoir en contenir, mais qu'on va pouvoir aussi exploiter parce que par exemple de l'argile contient aussi beaucoup d'eau, mais cette eau elle est extrêmement liée à ses grains et donc elle ne s'exploite pas et donc elle reste, c'est considéré comme des terrains plutôt imperméables. Vous voyez même ce schéma-là qui d'ailleurs est de Hauts-de-France. Si on serait rigoureux, on mettrait en lien ce cours d'eau, de montrer qu'on a des échanges en fait, que la nappe elle est en échange avec ce cours d'eau. Mais vous avez aussi d'autres types d'aquifères, et c'est ce qu'on va avoir aussi sur le territoire de la Haute-Garonne. Vous avez des aquifères qu'on dit fissurés. Donc là, s'il faut s'imaginer, c'est toutes les roches que vous pouvez voir, alors plus en montagne, que ce soit, des granites, des gneisses, toutes ces roches. Alors si vous tombez sur les roches qui sont plutôt feuilletées, elles sont en général pas perméables, mais les autres de type comme ceci, en fait, elles vont être fissurées, notamment parce que dans la formation des Alpes, vous avez eu des très fortes contraintes, des mouvements qui ont fait les roches sont plissées, cassées, et ça crée un réseau de fissures qui va pouvoir contenir de l'eau. Et puis même en surface, vous allez avoir une sorte d'érosion. Par exemple, le granit, à sa surface, il va commencer même, on parle d'arène granitique, c'est-à-dire c'est du sable qui se forme, et bien souvent, on va avoir un petit niveau d'eau qui va se stabiliser. On va parler d'aquifères de socle. Et bien souvent, les nappes les sources qui sont utilisées pour l'eau potable dans les Pyrénées viennent de ce type d'aquifère. Et il peut être relativement très réactif aux pluies, et donc se recharger très vite s'il y a une petite pluie, mais aussi très vite se vider et c'est comme ça qu'on rencontre des tarissements de sources, même en hiver, pour les PO par exemple. Et puis vous avez aussi encore un autre type d'aquifère, et c'est celui pour le coup qui est peut-être celui qui est le plus connu dans l'imaginaire, ce sont ce qu'on appelle les aquifères karstiques. Donc ce sont des calcaires, la roche calcaire qui va être aussi fissurée. Et elle va avoir la particularité, c'est que l'eau qui va venir, l'eau de précipitation, qui va se charger aussi en gaz carbonique avec la matière organique, va rentrer dans ces fissures et va progressivement, c'est à l'échelle de milliers et millions d'années, va progressivement créer des réseaux, des boyaux, et c'est ce qui constitue après le paradis des spéléologues, c'est toutes ces grottes qui se forment, avec là, pour le coup, on peut avoir des rivières souterraines, mais vous voyez, ce cas de figure, il n'est limité qu'à ce type d'aquifère. Et ça, on en a aussi dans les Pyrénées, et en général, on a des très fortes sources qui sont importantes, qui vont être captées pour les eaux potables. C'est aussi cette configuration qu'on a dans les causses qui ont été évoquées. C'est aussi, par exemple, l'alimentation majeure de la ville de Montpellier. Bien, avant de rentrer plus en détail, de zoomer sur la situation, sur ces éléments généraux. Alors déjà, une remarque.
par rapport à la question de la pluviométrie, c'est vrai qu'il y a quelques années, on disait, en fait, il y aura à peu près autant de pluie, mais ce ne sera pas la même période. Là, ça a commencé à basculer sur le fait de dire non, il n'y aura pas autant de pluie. Si on regarde les 12 derniers mois, il y a eu 9 mois de déficit, dont certains qui étaient avec déficit à 70-80%, et il y a eu 3 mois légèrement positifs. Donc, sur les 12 derniers mois, on est en déficit global très, très important. Voilà, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est nouveau. Et aujourd'hui, on se dit que oui, sur notre territoire, parce que ce n'est pas vrai à l'échelle nationale, mais sur notre territoire, on voit plutôt aussi une diminution de la pluviométrie globale. Donc, il y avait une question. Oui, bonjour. On vous demande de vous présenter pour le compte-rendu et pour l'Assemblée. Merci. Christelle Carpentier, Chambre d'agriculture d'Haute-Garonne. Donc, sur votre schéma où vous avez montré tout à l'heure les grosses crues qu'on a eues en décembre et en janvier, je voulais savoir si c'est la nappe que vous nous montrez ou c'est les cours d'eau. C'était la nappe. Alors, c'est de la nappe qui est située où, plutôt en partie alluvionnaire, parce que... Oui, complètement. C'est un synthétique. C'est typiquement... Je disais que c'était pour ce type de nappe alluviale. Mais ça a toute son... En fait, ça permettait d'introduire cette notion de relation nappe-rivière. Donc, on est bien dans la configuration de nappe alluviale où on a un lien. Et ce lien, il marche dans les deux sens. Non seulement en hiver, c'est plutôt le cours d'eau qui a tendance à alimenter la nappe, mais l'été, c'est l'inverse. Et c'est sur ce principe-là qu'on essaye de travailler lorsqu'on fait de la recharge maîtrisée. C'est qu'en fait, l'été, ce sont l'été et l'automne, ça va être de façon très diffuse, la nappe va alimenter la Garonne. Et il y a une thèse qui avait été faite par Laurent Danville, qui est hydrogéologue dans l'Écosse, dans les années 90, il avait essayé d'évaluer ce pourcentage de la Garonne. Il disait qu'on était presque à au moins à 60%. Alors peut-être ça a un peu changé aujourd'hui dans les modélisations, mais on était de ce genre de grandeur que l'eau qui coulait dans la Garonne, c'était aussi de l'eau souterraine, par échange de nappe-rivière. Parce qu'en fait, sur la Garonne, on est d'accord qu'on n'a pas que des alluvions. On a des zones où c'est plus de la boulbène, tout ça. Et donc, du coup, on n'a plus ces phénomènes d'infiltration. On a plutôt du ruissellement. Exactement. Ouais. On va le voir un peu vous allez sur la géologie. Ouais. Ah. Est-ce qu'il va y avoir maintenant ? Non, mais c'est pour, allez-y. Pour comprendre. Oui, oui. Et du coup, tout à l'heure, quand vous avez parlé des trucs karstiques, est-ce que ce qu'on appelle chez moi, en tout cas communément, le greppe, est-ce que c'est équivalent à ces roches karstiques ou c'est totalement différent ? Vous me posez une colle, le greppe, je ne connais pas. C'est à quel endroit ? C'est une zone imperméable, en fait, où des fois on n'a que 40 cm de sol et dessous on a une roche comme ça, et où l'eau ne passe plus, en fait, et ce qui fait qu'on a une hydromorphie. L'an dernier, par exemple, décembre-janvier, on a beaucoup de cultures qui ont dépéri parce que les racines trempaient trop dans l'eau, quoi. Ouais. Trop dans l'eau. Et oui. D'accord. Mais alors, on est plutôt en plaine. Oui. D'accord. Donc, là, on n'est pas dans les karsts, ces phénomènes, on les a plutôt dans les Pyrénées. On a deux. Soit on est plutôt au début des Pyrénées, donc c'est les karsts qu'on dit du Mésozoïque, c'est les plus récents dans les âges géologique, et puis c'est la Barousse par exemple, où donc on a des sources qui sont connues et exploitées, et puis après on peut en avoir aussi encore un peu plus en profondeur dans les Pyrénées, mais là ils sont relativement peu connus. Donc dans votre secteur, mais on n'aura pas accès en fin de séquence pour zoomer sur l'endroit, mais vous verrez qu'on peut. Vous pourrez après aller sur votre territoire et interroger les couches pour voir dans quelle géologie vous êtes et quelle hydrogéologie vous êtes. Une autre question ? Bien. Oui, une autre question. Oui, Pascal Tatiboué, adjoint Haute-Rive. Vous avez bien expliqué le phénomène de recharge. Quant à la décharge, à part la décharge des aquifères alluviaux ou alluviales, c'est fabuleux. Alluviaux. Est-ce qu'il y a d'autres phénomènes qui expliquent
la décharge printemps-été ? C'est juste l'écoulement, en fait. C'est l'écoulement qui puisque je vous disais, c'est pas un stock. Donc, la nappe va s'écouler progressivement, va aussi, comme on l'expliquait, va venir alimenter le cours d'eau. Donc, on va avoir comme ça cette descente du niveau d'eau, ce qu'on appelle la décharge. C'était ça votre question ? Oui, non. Oui. Enfin, c'est alluvial seulement dans le cas des. Alors, oui, parce que là, pour l'instant, c'est surtout ce qu'on appelle les nappes libres. Vous allez voir, ouais. Je vais introduire ça aussi. Et une notion, c'est que ça, c'est des nappes qui sont directement alimentées par les pluies. Maintenant, vous pouvez avoir des nappes qui sont bien plus profondes. Et là, vous allez pas retrouver ce cycle annuel aussi clair. Mais pour les nappes qui sont donc dites libres, donc ces nappes qui sont soumises à la précipitation, vous allez avoir ce cycle. Et donc vous avez ce cycle annuel, mais on voit bien aussi qu'on a une certaine inertie, c'est-à-dire si on a eu l'année précédente, on est arrivé à un point relativement bas, on va avoir du mal à récupérer l'année suivante, et donc c'est des fois, l'effet cumulatif comme ça de plusieurs années de mauvaises recharges qui peuvent devenir vraiment critiques. Et je crois que cette question du fait qu'on est sur des cycles qui ne sont pas que des cycles annuels et qu'on peut avoir plusieurs années de sécheresse pour ce qui nous concerne, ça pose toutes les questions derrière de la gestion interannuel et du fait qu'il faut qu'on se projette, que ce soit sur le stockage de l'eau de surface ou sur les stockages, l'utilisation de stockage souterrain, sur se dire, on ne va pas pouvoir continuer à se dire, bon, mais c'est bon, on pompe tout ce qu'on veut jusqu'en octobre, et puis après, de toute façon, ça se remplira bien l'hiver. Voilà, on voit bien qu'on est rentré sur d'autres logiques. Et ça fait partie des éléments. Puis après, peut-être, on va pouvoir passer sur la suite. Et pour certains nappes, ça l'est déjà et depuis longtemps. Hein, en Aquitaine, vous savez, vous avez des nappes, ce qu'on appelle de l'éocène, donc c'est des nappes qui se sont rechargées il y a bien longtemps. Et en fait, l'exploitation, elle est devenue plus forte que la recharge qui pouvait se faire naturellement. Et donc, on voit comme ça. Donc là, on n'a pas de cycle de recharge et de décharge. On a une courbe qui fait que descendre, 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 descendre. C'est comme ça qu'a été décidé de mettre en place, alors, soit des fois des moratoires, de dire on ne réalise plus de forage hormis pour l'eau potable, ou bien la mise en place du sage, nappe profonde en Nouvelle-Aquitaine. Donc si on regarde d'un peu plus près le territoire, donc là je vous présente une première production de la synthèse qui a été réalisée dans cette synthèse. Donc c'est une carte lithologique du département. Quelque part, c'est vous voyez en dessous là, ça c'est le département et tous les quadrangles, c'est les cartes géologiques, puisque vous le savez ou vous le savez pas d'ailleurs, c'est le BRGM, hein, Bureau de Recherche Géologique et Minière, sa mission a été de cartographier l'ensemble du territoire français. Et de cartographier la géologie du territoire à l'échelle du 50 millième. Ça veut dire qu'un centimètre sur la carte représente 500 mètres. Et vous avez comme ça tout un quadrillage. Mais vous voyez, pour se mettre en œuvre ces cartographies, il a fallu des années, même des dizaines d'années. On a fini il n'y a pas très longtemps, on a mis presque 50 ans pour faire toutes ces cartes. Et donc, évidemment, vous pouvez avoir des années très différentes entre deux cartes, et donc vous avez des choses qui n'étaient pas homogènes. Et donc la première chose, c'est de rendre à l'échelle, pour avoir une vision homogène, de faire une carte qui homogénéise toutes ces petits morceaux de cartes. Et ensuite, après, vous avez des noms un peu barbares hein, quand vous faites de la géologie. Et donc là, c'était de transcrire les noms géologiques sous forme plutôt de lithologie. Lithologie, ça veut dire de nature des terrains. Et donc, vous avez, suivant les couleurs, soit vous êtes plutôt dans des alluvions, soit des dépôts glaciaires. Et donc, vous voyez, sur le territoire, hein, on a un très grand contraste. On a toute cette partie ici
qui correspond au terrain en plaine. On est même encore dans ce qu'on appelle le bassin d'Aquitaine. Et donc là, on a qu'est-ce qui s'est passé en fait? C'est lorsqu'on a eu devant les Pyrénées, on a eu tout un remplissage, tout ce qui est jaune là, c'est ce qu'on appelle la molasse. Ça a été mis en place au tertiaire et ça, c'est des terrains qui sont plutôt argileux, marneux, qui sont peu perméables. Localement qui peuvent être perméables et donc vous avez par-ci, par-là, vous avez des puits et des sources parce que par-ci, par-là, vous avez soit des lentilles de sable qui vont produire, soit vous avez des petits bancs calcaires qui vont aussi donner de l'eau. Mais globalement, dans son ensemble, on estime que tout ce territoire-là, il est imperméable et que seul... Vous voyez ici, elle n'est pas dessinée, mais c'est la Garonne, que seule la vallée qui a été construite, enfin creusée par la Garonne. Alors la Garonne, avec le temps, elle a bougé. Donc c'est pour ça que vous avez quelque chose d'assez large, cette plaine. Donc ces alluvions, on dit ces alluvions de plaine, c'est des terrains qui sont plutôt très graveleux ou sableux. Et c'est en particulier dans cet endroit qu'on a une nappe. Mais si aujourd'hui, pratiquement toute l'alimentation en eau potable se fait à partir des eaux de surface, c'est parce qu'une grande partie du territoire, on a plutôt un terrain qui est... on a peu d'eau souterraine. Et puis vous voyez ces terrains-là qui sont à côté. En réalité, c'est aussi des dépôts de la Garonne, mais qui sont plus anciens et qui... Vous savez qu'on a eu une succession d'âges glaciaires et interglaciaires. Et donc, à des époques plus anciennes, la Garonne était un peu située autrement. Elle a eu des dépôts, puis après, elle s'est encastré dans ses propres dépôts. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle une structure... Mais je crois que je vais l'expliquer derrière. Je vais avoir une image. Voilà, on a des... Oula, ce que je vous explique. Voilà, c'est typiquement ça. On a la Garonne, on a ici sa plaine avec des dépôts. Et plus haut, on a en fait d'autres dépôts. On appelle ça des terrasses. Et on appelle ça une structure en terrasse étagée. Et plus vous montez... Et plus les terrains sont anciens, argileux et peu productifs. Et quand vous êtes dans la basse plaine, c'est vraiment ici que se concentre tout le potentiel en eau souterraine pour le territoire, en tout cas pour tout le territoire plaine du département. Et ce qui est matérialisé là ou dessiné en gris, c'est ce qu'on appelle voilà, le substratum, les molasses. Et localement, on va avoir même ce qu'on appelle de l'intramolassique. On a des ressources, on peut avoir des forages comme ça où on est allé chercher des niveaux, mais qui sont relativement limités. Et donc, dans le cadre aussi de cette synthèse, on a fait cette monographie, hein, c'est une dessinatrice qui a travaillé dessus, et pour essayer de se rendre compte de notre environnement avec les terrasses ici. Ces terrasses, des fois, elles ne sont pas continues. On peut même avoir des petites sources qui émergent entre deux terrasses. Et par exemple, à Toulouse, hein, vous allez à Bellefontaine, vous pouvez retrouver ces endroits. On voit au milieu de la zone totalement urbanisée des zones qui suintent et des sources. Voilà, sur la deuxième partie, si là vous venez plutôt du sud du département, on est dans les terrains donc plutôt pyrénéens. Avec là, on va retrouver, je vais vous l'illustrer, soit on est, on a aussi la rivière, on a la vallée de la Pique, on a la vallée de la Garonne, donc on a aussi des dépôts alluviaux autour de ces cours d'eau. Donc là aussi, on va retrouver ce qu'on appelle des nappes alluviales, mais aussi on va avoir, ici par exemple, on a représenté un massif karstique ou un massif calcaire, il sera karstifié ou fissuré, et donc là on pourra aussi avoir des aquifères karstiques, ou bien on est dans ces terrains dits de socle, un ancien granit hein, qui est remonté à la surface. Toute la couverture sédimentaire, tous les sédiments ont été décapés par érosion au fil du temps. Et donc, vous avez
des fissures, et donc vous, et localement vous pouvez aussi avoir de l'eau. Donc pour les voilà, donc ça c'est une illustration typiquement, vous voyez comme on a pu capter soit un aquifère karstique, soit aller un peu plus en profondeur chercher un aquifère de socle. Et donc ça, ça va expliquer que dans les Pyrénées, on va avoir de façon, alors si je vous le montre autrement comme ça, vous voyez ici, c'est presque un peu un patchwork, parce qu'en fait, on va avoir par exemple un massif granitique, donc ça va contenir peut-être, ça va être un aquifère. Un peu plus loin, on va avoir un massif calcaire, on va aussi avoir un aquifère. À côté, on va avoir du gneiss, on va avoir un petit aquifère de socle, etc. Et donc, on n'a pas une nappe comme la nappe alluviale en continu. Et c'est pourquoi, et c'est peut-être que vous l'avez vu, et en tout cas ça a pu vous étonner, c'est que dans le bulletin national, donc là c'est vraiment, on synthétise à l'échelle de tout le territoire français, et bien si on regarde notre territoire, on se retrouve dans la zone grise, alors c'est jamais très sympathique, hein, mais ça s'appelle, et c'est nommé « sans nappe libre étendue, pas de point de mesure ». Donc là on a eu pas mal de commentaires sur les réseaux sociaux en disant « mais on ne comprend pas ». À juste titre, hein, mais en fait, donc ici vous retrouvez tout le territoire molassique, donc comme je vous disais, où on peut avoir localement des petites nappes, mais on n'a pas de grandes nappes étendues d'envergure, donc c'est pour ça qu'on est en gris. Et le massif des Pyrénées, mais comme vous voyez, le massif aussi alpin, puisqu'on a des, on peut avoir de l'eau, mais c'est très localisé, c'est pareil, on n'a pas une grande nappe comme la nappe alluviale du Rhin ou les grandes nappes du bassin de Paris. Donc voilà. Et donc on a simplement les données sur nos nappes alluviales, que ce soit Garonne, Ariège, Tarn et Aveyron. Voilà, donc maintenant vous êtes aussi des ambassadeurs pour faire expliquer le bulletin des nappes qui va sortir. Il faut faire passer le message à tous les journalistes hein, qui voient la carte et ils veulent savoir comment ça se fait que c'est en gris. Ils peuvent dire que c'est parce qu'on n'a tous rien fait sur le territoire. Donc, ouais. Mais c'est sûr qu'on comprend aussi pourquoi... On est beaucoup plus dépendant dans notre territoire de l'eau superficielle et qu'à ce titre-là, avec le changement climatique et avec la baisse des niveaux des cours d'eau aussi en période d'étiage, on a une réflexion à mener. Alors, se tourner à nouveau vers les nappes d'accompagnement, bon, d'une part, c'est quand même pas les nappes d'accompagnement, c'est pas les nappes aussi, les grandes nappes du bassin aquitain, hein, donc on n'a quand même pas les mêmes capacités d'une part, ou par exemple la nappe d'Alsace, c'est 200 mètres d'alluvion, quand chez nous c'est 100, c'est 10-20 mètres d'alluvion. Hein, donc ça c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est que la Garonne, enfin prélevée dans l'eau de la Garonne, c'était comme elle vient des Pyrénées, d'un point de vue qualité, elle est hormis quand elle est assez chargée et qu'elle est marron, mais hormis cela, il y a beaucoup moins de choses à traiter que lorsque on se trouve dans la nappe avec des nitrates encore ou des produits phytosanitaires. Production de cette synthèse, c'est la carte. Alors que celle que je vous ai montrée, c'était la lithologie, savoir quel terrain on a. Et là, c'est vraiment la carte hydrogéologique. Et donc, vous voyez, je fais un zoom. Donc, sur la partie nord, vous retrouvez ce que je vous ai expliqué, les terrasses alluviales, qu'elles soient supérieures ou inférieures, et avec une notion de est-ce que c'est aquifère. Donc ce que je vous disais, ça, ce qu'on appelle aquifère, ça veut dire vraiment on va pouvoir faire des forages et trouver de l'eau, ou bien est-ce qu'on est moyennement aquifère, ou plutôt pas du tout aquifère. Et donc ça va être intéressant, vous allez voir que vous allez pouvoir télécharger cette donnée-là, et donc vous allez pouvoir zoomer sur votre territoire et de savoir, si vous ne le savez pas, sur quelle potentialité vous êtes. Et puis pour les terrains plutôt dans le sud, même chose, et ça c'est notamment issu de travaux, ce qu'on appelle les travaux Potapir,
Donc ça a été un travail mené aussi avec département, l'agence de l'eau et la région et le BRGM, d'établir les potentialités des aquifères des Pyrénées centrales. Donc ça avait été initié avant l'Occitanie, donc c'est les territoires, enfin les départements de l'Ariège, de la Haute-Garonne et des Hautes-Pyrénées. Et donc de voir comment traduire la potentialité de toutes ces formations géologiques en faisant aussi de nombreuses investigations de terrain, de jaugeage de sources, pour essayer de classifier en fait par grands ensembles la gamme de débits qu'on peut attendre dans ce type de terrain. Il n'y a pas longtemps, on a des éleveurs qui sont venus de la Barousse, qui sont venus nous voir, et ils ont fait des forages parce que ils ont manqué cruellement d'eau l'année dernière, et les bêtes, du coup, ils ont cru qu'ils n'allaient pas pouvoir les garder, et elles ont énormément de mal à se reprendre. Donc pour eux, c'est vraiment une grande perte. Ils ont fait comme ça 4 forages. Mais en fait, on a repositionné leur forage sur cet atlas-là, et il s'avère que c'était dans une zone qui est totalement peu perméable. Donc, ils avaient peu de chances en fait de trouver de l'eau. Donc, on va essayer de voir comment on peut non seulement les accompagner, mais déjà partager cette information-là. Et tout cela, en fait, cette carte, celle précédente ou les 32 fascicules, tout cela se trouve sur le CIGES. On a parlé, je vous ai parlé de tout ce qui est aquifère en surface, en fait, ce qu'on voit. Ce qui est le plus inconnu, en réalité, c'est les aquifères aussi en profondeur, parce que finalement, la géologie, c'est aussi un empilement de couches, et plus on va en profondeur, plus c'est l'inconnu. Donc vous avez aussi quelque chose qui s'appelle la baie d'Elisa. Donc c'est la banque de données qui donne toutes les couches en précisant si elles sont aquifères ou plutôt imperméables. Par contre, il n'y a pas de notion de profondeur. Et cette donnée-là, on l'a aussi mise à disposition pour qu'elle puisse être mieux consultée. Il y a aussi un projet qui s'appelle Gaïa, qui a été mené dans le cadre plutôt par nos collègues, mais on a aussi collaboré avec eux, financé aussi par Agence de l'eau et Terrega, sur les nappes profondes en Aquitaine, et notamment la nappe, ce qu'on appelle les cimes, les sables inframolassiques. Donc vous voyez, ici, c'est comme si on avait découpé le terrain. Ces terrains-là, c'est la molasse, donc c'est la fameuse couche, vous savez, grise qu'on a sur notre état des nappes, qui montre qu'on n'a pas d'eau. Mais en sous cette nappe, on appelle ça du coup les sables inframolassiques, on a localement une couche où on a des sables qui peuvent produire. Et il s'avère qu'à Toulouse, on a, et vous voyez, enfin, plus que Toulouse d'ailleurs, hein, vous voyez, je l'ai représenté ici, elle a complètement une forme, une autre forme. Donc ça, c'est aussi de la donnée qu'on met à disposition. On a, avec le projet de recherche Gaïa, on a un peu réussi on a fait un modèle géologique et on a essayé de redéfinir vraiment ses limites, savoir jusqu'où va cette nappe-là. Mais donc, ça veut dire qu'on peut trouver aussi de l'eau sous nos pieds, là, mais là, il faut aller à 1000, si on se base sur le forage qui avait été fait à Blagnac, il faut aller chercher les sables à plus de 1600 mètres de profondeur. Donc là aussi, on a une eau. Alors cette eau-là, vous imaginez, quand plus on descend sous terre et plus les degrés montent. Et donc là, à cette profondeur-là, on trouve une eau qui avoisine plutôt les... Alors vous voyez, là, c'était 58 degrés, donc... on est encore bien, bien plus loin des 25 degrés pour faire de l'eau potable. Et en plus, il y a souvent une minéralisation qui est impropre à l'eau potable. Mais par contre, elle peut être utilisée comme ressource énergétique et donc chauffer des réseaux de chaleur. On a
comme cela à Blagnac, des deux forages qui fonctionnent, qui chauffent une piscine et tout un réseau de chaleur. Et Toulouse Métropole va aussi faire de la prospection pour alimenter aussi un réseau de chaleur pour la ville et la métropole. L'eau chaude, ça me permet aussi d'introduire une notion. Vous avez dans les Pyrénées aussi des eaux chaudes. Ici, on a représenté l'aquifère de Luchon. Donc là, on a des zones, ce sont là, on est plutôt des aquifères fracturés avec des zones d'alimentation. Et puis, vous avez une eau qui va migrer, mais qui va migrer pendant, là, c'est des milliers d'années, hein, milliers, millions, qui vont aller en profondeur, qui vont se minéraliser. Et c'est comme ça qu'elles vont acquérir leurs propriétés chimiques spécifiques, mais aussi acquérir de la chaleur. Et elles vont ensuite remonter à la faveur, comme ça, de failles, elles vont trouver des cheminements et souvent elles remontaient jusqu'en surface et c'est comme ça qu'on a découvert ces gisements et puis aujourd'hui souvent on fait des forages pour sécuriser ces prélèvements. Donc là, le livrable de la synthèse, il me restera après derrière à vous introduire le système d'information, mais ça sera un rapport, alors il va paraître, qui présente tous ces différents aquifères. C'est aussi les documents graphiques que je vous ai montrés, que ce soit les coupes. Alors, on a mis des coupes géologiques pour essayer de donner une représentation de la géologie pour la géologie simplifiée. C'est aussi les monographies que je vous ai présentées. C'est une carte lithologique et une carte hydrogéologique. Et tous ces éléments seront isolés pour qu'ils puissent être téléchargés sur, en tout cas, le CIGES Occitanie et puis sur l'open data du conseil départemental. Le CIGES, du coup, je vous en donne pour ceux qui ne connaissent pas. Donc ça, c'est une plateforme qui est portée par l'État, l'Agence de l'eau, la région et nous-mêmes, où d'une part on met de l'actualité, c'est ici que vous pouvez retrouver les bulletins, mais également chaque nouvelle donnée, chaque nouvelle étude, on s'efforce de les mettre en ligne sur cette ressource-là, et puis aussi de produire de la matière pour rendre compte sur, à l'échelle du territoire régional sur la géologie, l'hydrogéologie, la quantité, la qualité. Donc je vous invite à vous y rendre et puis si et en tout cas pour télécharger les données de cette synthèse. Donc juste pour préciser que la présentation là qui vous est présentée bien sûr sera envoyée à tout le monde hein, dans les jours qui viennent et quand on fera le compte rendu de cette réunion on mettra bien sûr tous les liens permettant d'accéder à l'exhaustivité de tous les documents. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, bonjour, j'habite Noué et j'ai toujours entendu dire que la nappe phréatique qu'il y a au-dessus de Noué donne dans le bassin de la Garonne, s'appelait le fleuve de l'Annemezan, et c'était l'un des plus grands fleuves souterrains de France. Est-ce que vous pouvez le démentir ou le confirmer? Bah ça, c'est... Voilà. Ça en vient fait, du plateau de l'Annemezan, vous savez, qui s'arrête aux portes de Toulouse. Ça correspond un petit peu à la zone jaune, et c'est, j'ai toujours entendu dire cela. Mais ouais, c'est sûr, on entend dans beaucoup de choses aussi. Bon, là, on est un peu loin, mais souvent, on dit « mais cette source, elle est alimentée par le Mont Blanc, etc. » En fait, il y a quand même beaucoup d'histoires autour de ça qui sont... c'est pas parce qu'elles sont dites depuis très longtemps qu'elles sont vraies. Ouais. En l'occurrence, oui, c'est... je veux pas toujours qu'on perde la beauté non, des choses, mais en tout cas, il y a souvent un fond de vérité qui explique sur des transferts d'eau qui pouvaient exister, ou même les cours d'eau, ils ont bougé dans le temps, donc ils s'écoulent à un endroit, mais ils pouvaient s'écouler anciennement. Donc ça, en général, il peut avoir un fond de vrai. Après, évidemment, pour en parler, pour en témoigner, pour le transmettre, il y a une simplification où il y a une représentation qui fait que c'est là où on s'écarte un peu de la réalité, quoi.
Non, juste parce que le plateau de Lannemezan, s'il n'y avait pas le système Enest, il n'y aurait pas de rivière. Non. Hein, donc déjà, ça donne une idée d'une rivière qui vient de là. Bon, voilà. Non, après, je pense que par rapport au fait, effectivement, il y a des connaissances ancestrales que les gens connaissent. Mais aujourd'hui, tout le sujet de la présentation aujourd'hui, c'est de se dire comment les connaissances qu'on a maintenant et qu'on a besoin d'avoir et qu'on va enrichir nous permettent de se préparer. Et l'exemple que vous avez donné des éleveurs qui aujourd'hui sont confrontés à quelque chose auquel ils n'ont jamais été confrontés, c'est un des points dont j'ai eu l'occasion de souvent parler, parce que quand on parlait de ces sujets, on disait oui, mais on a des choses nouvelles, c'est les éleveurs, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il faut faire des endroits où il y a du stockage de l'eau pour qu'ils aient stocké de l'eau pour l'été? Où est-ce qu'il y a des moyens d'aller chercher de l'eau? Mais à ce moment-là, il ne faut pas aller le chercher n'importe comment. Et cet exemple est très, très révélateur. Donc, c'était la première remarque. La deuxième remarque, comme le président l'a dit tout à l'heure, il ne s'agit pas de dire on repère toute l'eau qu'il y a pour aller y taper dedans tout de suite. Parce qu'on voit bien que quand on a des nappes qui sont à 1000 mètres de profondeur, qui ont mis quelques milliers ou dizaines de milliers d'années pour se remplir, aller y taper dedans pour les vider, ce ne serait peut-être pas des mesures durables, hein, même si il y a certains territoires où ils ont fait ça, toute la péninsule arabique, ils sont en train de taper dans des nappes qui sont à 1000 ou 2000 mètres, voilà, ça ne dure qu'un temps. Donc je crois que ce qui est important dans la connaissance, c'est de savoir qu'est-ce qu'on peut faire, mais tout autant de savoir ce qu'il ne faut pas faire. Hein, donc je crois que c'est très très important d'avoir ça en tête. Et là aussi, pour revenir sur les propos du président et sur les réflexions qu'on a, travailler sur les nappes, et je pense plutôt là aux nappes phréatiques qui sont elles qui se rechargent, c'est se poser toutes les questions autour de la qualité de l'eau, avec un élément précis qui est la température. Où demain, on voit bien que de plus en plus, on aura besoin d'aller chercher de l'eau à température pouvant être utilisée pour de l'eau potable ou pour ailleurs. Et une des différences entre l'eau qui arrive sur Toulouse venant de la Garonne ou de l'Ariège, donc du sud du département, et celle qui arrive de la Montagne Noire, c'est qu'il y en a une partie qui arrive dans des tuyaux sous terre de la Montagne Noire, sur le Sicoval. Celle-là, elle est toujours à 15 degrés. Bon, donc ça pose des questions, et des questions qu'on a les uns et les autres à se poser sur comment on aménage nos territoires pour l'avenir. Et c'est vrai à l'échelle du département, donc on a d'où la nécessité d'avoir ces éléments, mais c'est vrai aussi à l'échelle de chaque territoire, avec le micro-territoire de l'éleveur qui a besoin de savoir s'il peut aller chercher de l'eau pour se regarder. C'est l'éleveur qui a besoin, c'est aussi le maraîcher, ça on a pas mal de questions qu'il peut avoir, de dire je veux m'installer là, et en fait est-ce que j'ai de l'eau ou pas, parce que ça va être complètement indispensable. Et on voit que suivant, vous voyez sur une carte, suivant où on se trouve, on va être plutôt dans une zone où on aura la nappe alluviale, ou non, on sera complètement dans des terrains qui sont imperméables. Donc ça après, et je vais vous en parler, mais pour les nappes, en tout cas la nappe alluviale de la Garonne qu'on commence, je ne dis pas qu'on la maîtrise, qu'on connaît tout, mais c'est en réalité, en hydrogéologie, c'est vraiment les nappes qui sont les plus faciles à étudier et à modéliser. Et on fait des modèles. Et donc, je pense qu'on y vient. On avait fait aussi des outils de gestion autour de ces nappes. Ces outils-là, ils ont été très peu utilisés. On est en train de remoderniser ces outils-là, et on pressent qu'à un moment, en effet, on va les réutiliser pour se dire, mais en fait, comment on se partage ces volumes? En effet, tant qu'il continue de pleuvoir, et on peut aussi de voir maintenant au plus juste la recharge, et bien de mettre en face de la recharge de l'année les volumes d'eau qui pourraient être disponibles, et ensuite derrière comment on en fait une répartition. Et ça, c'est tout le travail des OUGC. Et nous, ces outils qui à l'époque avaient été développés plutôt pour les services de l'État, on essaye de les rendre un peu plus accessibles pour qu'ils puissent être pris en main par les OUGC. Mais c'est tout, voilà, on travaille ensemble.
Alors, est-ce qu'il y a quelques questions? Parce qu'on va présenter maintenant la partie SIG, justement, pour savoir comment cette information est accessible. Et après, on aura une actualité sur ce qui est fait à l'heure actuelle, la situation, etc. Allez. Oui, allez-y, pardon. Marie-Thérèse Lacour, donc moi je suis élue chambre d'agriculture Haute-Garonne. J'aurais une question sur les nappes. Est-ce qu'on peut revenir sur la présentation que vous avez faite? Je pense que c'est sur les nappes profondes. Voilà, parce qu'on a... Moi, je ne maîtrise pas suffisamment. Celle-ci? Voilà, celle-là, oui. Par rapport à la limitation, et j'aurais besoin de savoir ces aquifères en profondeur, justement, à quelle profondeur de sol ils sont? Est-ce qu'on a une idée de la profondeur à laquelle ils sont? Et c'est ce qu'on appelle vraiment les très profonds qui se renouvellent très lentement. C'est ça. Et, vous voyez, c'est des nappes en plus qui se sont déposées au fur et à mesure sur les temps géologiques. Donc ça concerne, vous voyez, c'est plutôt finalement le territoire aquitain. C'est pour ça que la structuration d'ailleurs de l'eau et de l'alimentation en eau, elle n'est pas du tout la même côté Bordeaux ou côté Toulouse. Et donc nous, pour le territoire qui nous concerne, vous voyez ici, je vous parlais, en fait, on a une nappe, mais qui est déjà pas très épaisse, et c'est ces fameux sables inframolassiques. Et pour vous répondre sur la profondeur, on est à 1600 mètres. Donc on est extrêmement profond. Sur, par exemple, le Tarn-et-Garonne, si on fait un petit pas de côté, on a ces calcaires du Jurassique. Donc eux aussi, ils sont complètement sous la molasse. Mais à des endroits, on voit qu'ils peuvent remonter à... Ils sont qu'à une centaine de profondeur. Donc là, on n'est déjà pas... On n'a pas la même température. On a une température plutôt qui est normale. Et puis, ça veut dire que... On peut avoir peut-être une, ça peut constituer une réserve d'eau pour le futur. Mais concernant la Haute-Garonne, ce n'est pas le cas. Comment cette eau elle y va là? Comment elle y va cette eau? Parce en fait, que... cette eau là, elle se réinfile. Enfin, elle n'est pas réalimentée complètement directement. On a une formation qu'on appelle des argiles, conglomérats, des poudingues, bref, qui sont sur toute la bordure, à la bordure du bassin et au niveau des Pyrénées. Et enfin, c'est ce que l'étude a semblé montrer. En fait, l'eau s'infiltre dans ces niveaux-là qui sont plutôt, qui arrivent à être affleurants et qui finalement vont venir après s'écouler et rejoindre ces nappes-là. Mais du coup, le temps de renouvellement, il est extrêmement, extrêmement long. Ce qui veut dire que du coup, les nitrates qu'on trouve ne peuvent pas provenir de l'activité actuelle. Ah ben là, il n'y a même pas de nitrates dans ces... il n'y a pas de nitrates. Ah non, on est très... Parce que nous, on a une zone là où qui nous pénalise sur les nitrates. Et comme, ce que je ne comprends pas, ça, c'est En fait, ça, vous parlez peut-être, c'est plutôt des couches qui sont dans la molasse. C'est ce qu'on appelle les terrains... Dans ce grand ensemble qui est, je vous montrais, qui n'est pas très perméable, voilà, c'est l'ensemble jaune, vous avez des niveaux quand même qui sont un peu plus aquifères et donc où vous avez soit des sources, soit vous avez vous pouvez faire des forages et trouver un peu d'eau. Et dans ces territoires-là, là ça s'apparente, donc c'est pas de l'alluvial, mais ça se recharge quand même via la surface et donc c'est là où vous pouvez retrouver des nitrates si le bassin d'infiltration et d'alimentation de la source et exploité aujourd'hui ou a été exploité hier, quoi. Donc on trouve de l'eau même dans les systèmes qui sont peu aquifères. Alors. Oui, c'est ce que je dis. En fait, c'est globalement, ça sera toujours de la ressource assez localisée. À la faveur de zones où on peut avoir une couche un peu plus sableuse ou un peu plus calcaire, mais c'est pas une nappe, une grande nappe et qui produira beaucoup. Ça peut être, ça répond à des besoins ponctuels, mais c'est pas de grand ensemble. Quelle est la qualité de cette eau?
la qualité, est-ce qu'on peut l'utiliser directement ou alors il faut qu'elle subisse un traitement particulier ? Alors on parle de... Alors en fait vous avez vu, ça dépend de quelle eau on parle, ouais. Et de quelle eau souterraine. Ah ben, donc... Je pense au l'éogène qui, quand même, qui date depuis un certain nombre de millions d'années. Quelle est la qualité de l'eau ? Cette qualité, si vous... Elle est bonne, sauf si, encore une fois, il y a des endroits où elle a pu être à des endroits, suivant si elle se... On a des couches de sel un peu naturelles, et à des endroits, elle peut être un peu trop salée, mais sinon, c'est une eau qui est plutôt, alors pour le coup, très minéralisée, mais qui a une composition un peu classique. J'avance, que je vois qu'il est déjà 16 heures. Juste, il y avait une question, et puis après, on va avancer. Oui. Allez-y. Merci, Fabrice Charpentier, l'UNICEM. J'avais une question au sujet de l'intérêt que représente le massif karstique calcaire de la Montagne Noire et ceux qui auraient à peu près la même caractéristique dans la périphérie de la vallée de la Garonne. Est-ce que ce sont des réserves intéressantes et des ressources que vous suivez et qui pourraient se substituer aux aquifères alluviaux ? Alors donc là, on est hors Montagne Noire, on est vraiment hors de ce périmètre-là, mais on a en effet des ressources, on a aussi des aquifères, mais en fait, comme on peut avoir dans les Pyrénées, donc on peut avoir, alors on a, c'est pareil, c'est pas des grands aquifères, mais on a des aquifères, enfin, on a des roches qui sont aquifères et qui sont exploitées. Après, on parlait de substitution, on est quand même sur, on va être très loin de l'endroit où on peut être. Donc la substitution, ça a une limite quand même sur la géographie, quoi. Vous avez raison. Substitution était sûrement pas le bon terme, mais on sait très bien que l'eau n'a pas les limites des départements. Est-ce qu'il y a des bassins versants qui viennent alimenter le département et qui pourraient être aussi des sources d'approvisionnement auxquelles il faut s'intéresser ? Bah aujourd'hui, hein, y a déjà des transferts entre les départements, que, par exemple, ça soit... moi, je connais peut-être moins là pour moins là sur la Haute-Garonne, mais par exemple sur la Haute-Pyrénées, on a de l'eau qui vient des Pyrénées-Atlantiques. Donc en effet, suivant, l'alimentation et les interconnexions se limitent pas aux limites départementales. Mais elles sont en fait extrêmement contraintes, c'est plutôt par où se trouvent les ressources, quoi. Et donc pour la Haute-Garonne, les massifs calcaires qui produisent, ils sont à tel endroit, enfin voilà, c'est plutôt côté de par exemple de la Barousse, on ne va pas les avoir à Luchon. Donc le transfert, il peut être sur un certain, de l'interconnexion, mais... qui n'est pas sans limite. Alors, tout à l'heure, on va parler de la question des réserves dans les Pyrénées, là, dans le travail qui va être fait. Je vous propose qu'on avance sur le SIG, comme ça, après, justement, on verra les pistes différents. De travail qui sont en cours pour aller chercher d'autres solutions. Donc, le SIG, c'est... En fait, toutes les données là qui ont pu être sur lesquelles les données qu'on a rassemblées nous pour faire cette synthèse là, l'idée c'était aussi qu'on fasse nous ce travail là, mais que chacun de vous n'ait pas à le faire non plus. Donc on a constitué ce qu'on appelle un géo package. Donc c'est sous un... Alors ça, c'est vraiment... Le discours s'adresse à ceux qui connaissent un peu les systèmes d'information géographique, mais c'est donc avec le logiciel QGIS, qui est un logiciel libre. Ça veut dire que, pour le coup, là, mais ceux qui ne connaissent pas, mais qui veulent s'y mettre, vous le pouvez. Ce logiciel, il est téléchargeable gratuitement. Et ensuite, vous pourrez aller télécharger... ce géopackage. Le grand avantage, c'est de ne pas avoir X couches SIG à télécharger, mais d'en avoir une seule qui est déjà toute structurée et avec toute une mise en forme de la légende qui est conservée. Et ça veut dire qu'à l'écran, vous allez pouvoir afficher la carte hydrogéologique telle qu'elle est présentée, la carte lithologique, mais aussi...
d'autres informations qui viennent en fait chercher, attaquer des bases nationales sur différents thèmes. Je vais vous en parler. On va avoir dedans toutes les références masse d'eau. Donc ça, c'est plutôt pour aussi les institutions, enfin les syndicats ou autres structures qui vous gérez, par exemple des PAT ou enfin vous avez la notion de ce que c'est que la masse d'eau au titre de la DCE. Et donc vous allez même avoir aussi des notions sur la qualité et la quantité avec des notions de déclassant. Si le bon état soit qualitatif ou soit quantitatif n'est pas atteint, vous allez aussi avoir accès aux entités BDLISA dont je vous ai mentionné. Il y a aussi, pour s'y retrouver, des informations sur l'hydrogéologie, donc avec les cours d'eau, les stations ondes, les stations hydro, les stations météo. Alors, vous n'avez pas la donnée, hein, puisque cette donnée, nous, on ne la possède pas, mais ça vous dit qu'à tel endroit, vous avez une station météo, et donc vous pouvez, en vous rapprochant de Météo France, obtenir les chroniques. Vous avez... nous, les niveaux d'eau des piézomètres qui sont accessibles avec accès aux chroniques. Vous avez aussi toute la donnée des qualitomètres, donc ça, dans le cadre du réseau de suivi de surveillance qualitatif de sous maîtrise d'ouvrage de l'Agence de l'eau, ça vous permet de pouvoir directement avoir l'information. Et lorsqu'il y a des nouvelles analyses qui sont faites au niveau de l'agence, et qu'elles sont saisies dans la plateforme ADES, eh bien vous allez pouvoir, vous aussi, les consulter et déjà mises en forme. Et puis, vous avez aussi les données qui peuvent révéler une pollution avérée ou suspectée industrielle, avec les bases de données BASIAS qui recensent tous les sites qui ont une activité potentiellement polluante, et les sites BASOL qui recensent vraiment les sites où on a eu une pollution avérée. Et puis aussi des données sur l'occupation, que ce soit les gravières en exploitation ou fermées, l'ensemble des prélèvements qui sont saisis dans la BNPE. Donc ça, elle n'est pas complète, mais aujourd'hui, c'est la base de données qui existe et en tout cas qui est interrogeable. Et puis aussi les ICPE. Donc j'ai fait quelques captures d'écran de ce à quoi ça peut ressembler. Donc ici, par exemple, c'est sur les entités alluviales. Voilà, vous pouvez les afficher et aussi sous au moyen de coches et décoches de ces petites cases. Et ben, vous allez consulter les informations qui vous intéressent, avec, comme je vous disais, déjà un traitement, une codification sur la couleur des points qui vous permet déjà de savoir, ce qualitomètre, il me montre qu'il est déclassant pour telle masse d'eau. Autre exemple, c'est les entités BDLISA, vous en parliez tout à l'heure, qu'on a aussi affichées. L'avantage, c'est que ces données-là, vous pouvez aussi avoir accès directement via la BDLISA, mais vous aurez la France entière, donc, alors que là, c'est directement centré sur le département, découpé sur le département, et donc c'est beaucoup plus facile à manipuler. Voilà, j'en dis pas beaucoup plus là-dessus, simplement petite spécificité. Nous, on a une hydrogéologue, mais qui est plutôt spécialisée en géomatique, hein, qui a travaillé avec nous, hein, sur cette synthèse, qui a constitué tout cet outil-là, et qui a mis aussi en exergue une fonctionnalité qui permet, grâce à un simple clic, une fois que vous avez téléchargé ces données-là, et puis vous en servez pas pendant 6 mois, et puis vous le réouvrez, et vous voulez mettre à jour, typiquement, les données piézométriques, elles datent de l'année dernière, vous voulez réactualiser et avoir les données les plus récentes, et bien, modulo une petite
une petite manipulation à faire une fois et une seule fois, où vous avez une notice qui vous l'explique, eh bien, vous aurez juste à aller chercher ce bouton-là et dire je veux mettre à jour les piézomètres, et automatiquement le SIG va être mis à jour. C'est un grand avantage parce qu'on s'est aperçu que voilà, les synthèses, quand elles sortaient, même le temps qu'on les fasse, la donnée, elle avait le temps de se périmer, et on se retrouvait avec un état donné sur des qualitomètres, par exemple, des données de qualité ou des données piézométriques. Et puis, en fait, c'était déjà écoulé un an, deux ans et trois ans. Et donc, on n'avait déjà plus les dernières données. Donc ça, voilà, c'est une nouveauté pour essayer d'avoir toujours un outil qui est actif et actualisé. Et bien sûr, vous connaissez cela, c'est-à-dire qu'après, vous-même, vous pouvez mettre toutes vos couches qui vous concernent, qui concernent votre territoire. Et dans ce cas-là, ça devient votre outil propre. Donc évidemment très connu par les bureaux d'études, mais même pour des services qui aussi gèrent un peu de la base de données, des bases de données, vous pouvez encore une fois, par cette simplicité de télécharger une seule base de données, l'installer sur vos postes et puis après l'utiliser. N'hésitez pas aussi à nous faire des retours. Oui, ça aussi, on mettra un contact pour que vous fassiez remonter soit des dysfonctionnements, des questions au début, ou bien des retours positifs aussi, ça on prend. Bien, merci. Alors, je ne suis pas certain que chacun d'entre nous, individuellement, pourra aller facilement demain matin télécharger et utiliser. Par contre, je crois que ce qui est fondamental dans ce que vous avez dit, c'est la question qu'on a là des bases données, avec bien sûr tout ce qui concerne les nappes dont on a parlé tout à l'heure, qui sont actualisées régulièrement. Parce que on est sur un certain nombre de projets nouveaux, mais on voit bien dans tous les débats qu'il y a aujourd'hui que quand vous avez un débat qui se lance sur un sujet avec des études qui ont été faites avec des données qui ont 10 ans, c'est un peu difficile d'aller convaincre tout le monde, hein. Je ne donnerai aucun nom et aucun exemple, mais il y a partout le même sujet. C'est que toutes les procédures administratives étant très très longues, on se retrouve dans un certain nombre de cas où il y a des études qui sont anciennes, et de plus en plus, on aura besoin de pouvoir actualiser au moment où les projets sont mûrs, et je ne parle même pas des nouveaux projets. Donc c'est je pense, une étape importante. Tout le travail qui a été présenté aujourd'hui, c'est la fin de long travail, mais c'est surtout le début pour nous d'un travail derrière. Et ce sur quoi il faut absolument qu'on continue à travailler, c'est justement faire en sorte que ces données qui ont été structurées, qui sont disponibles, au fur et à mesure qu'il y a des actualisations, elles soient mises en ligne sur tous les éléments, pour pas qu'on se retrouve avec les décalages sur lesquels on s'est retrouvé dans un certain nombre de cas. On va peut-être passer directement sur ça, comme ça après vous pourrez poser les questions plus générales sur à la fois des choses très concrètes. On ne fait pas de réunion maintenant, nous, sans faire un point où on en est de l'hydrologie, de la pluviométrie, etc., pour que tout le monde partage la situation. Et puis un certain nombre d'éléments sur des projets qui sont dans le cadre du projet territoire Garonne Amont, qui vont venir utiliser ces données ou qui vont en générer des nouvelles. Donc Olivier. Oui, donc un petit point sur la situation hydrologique. Ça a été présenté par petites touches à différentes reprises dans l'après-midi. Donc on va essayer de synthétiser de façon assez brève cette situation. On va regarder un peu les différents compartiments qui finalement sont utilisés pour la gestion de l'étiage, ce qui a été évoqué, hein, la neige, les nappes, les cours d'eau. Et on va commencer donc par la partie pluviométrie. Donc ça a été dit, hein, on est dans un cumul de mois déficitaires depuis de nombreux mois. Donc on voit sur la partie gauche du graphique les précipitations de cet été, très déficitaire, mais à dire assez classiquement, on a des saisons d'été sèches et déficitaires, ça arrive,
mais là c'est vraiment l'enchaînement de plusieurs séquences déficitaires qui est vraiment le symbole de ces derniers mois, où on se retrouve avec des mois de septembre, octobre, jusqu'au mois de mars et avril, également de façon assez fortement déficitaire. Juste pour noter le mois de février, hein, qui est assez symptomatique, qui est un des mois normalement le plus pluvieux de l'année, où on se retrouve avec simplement 20% de la normale en termes de précipitations. Donc on a parlé de sécheresse hivernale, qui était un terme nouveau, qui caractérise cette situation. Et pour répondre un peu à la question qui a été posée tout à l'heure, la saison de recharge, cette année, il y a eu en gros 25% de pluie en moins par rapport à une saison normale. Donc voilà, on est quand même sur des périodes normalement hivernales avec des déficits cumulés de l'ordre de 25%, ce qui est énorme et qui implique finalement un changement des conséquences sur l'ensemble du cycle de l'eau pour les stockages, des nappes ou des retenues. On a évoqué aussi le manteau neigeux. Alors là, de façon assez rapide, le faisceau que vous voyez en bleu, c'est en gros la normale avec le trait au milieu qui est vraiment la moyenne qui est classiquement observée sur l'enneigement. On s'aperçoit que cette année, on est parti avec très peu de neige au départ, un petit pic neigeux fin janvier, et puis dès début février, une fonte de ce manteau neigeux. Pour arriver là au 10 mai avec plus de neige dans les Pyrénées ou vraiment très très peu. On est depuis de plusieurs semaines sur les minimales historiques jamais observés et on a en gros un mois et demi d'avance par rapport à une fonte classique de la neige. Ce qui explique que les débits aujourd'hui sont relativement bas parce que d'habitude au mois de mai en fait on bénéficie à plein de la fonte des neiges et qu'actuellement on se retrouve avec une situation déficitaire liée à l'absence de neige. Donc quand on regarde de façon assez rapide, on s'aperçoit qu'avec cette faible précipitation qu'on a connue au mois de février, on se retrouvait avec des débits qui ressemblaient à des débits de mois de juillet ou de mois d'août en plein mois de février en Garonne, c'est-à-dire des débits de l'ordre de 50 à 60 mètres cubes au lieu d'avoir 200 mètres cubes. Voilà, on était vraiment en une situation d'étiage hivernal. Alors il y a un peu plus au mois de mars et d'avril, alors on se dit ça va mieux. Ça veut dire simplement qu'au lieu d'avoir 3 à 4 fois moins d'eau que la normale, on en a juste 2 fois moins. Donc je ne sais pas si on peut dire que ça va mieux, ça va moins mal, mais on est encore en situation très déficitaire, en gros 50% de l'hydrologie normale actuellement en Garonne. La conséquence aussi sur les retenues, alors on ne va pas rentrer trop dans le détail, on a actuellement entre 30 et 60% on va dire, de remplissage des retenues en fonction des secteurs. Normalement, à cette période-là de l'année, on est classiquement à 90-95% de remplissage, avec des secteurs plus ou moins difficiles et des secteurs plus favorables liés à des mesures de gestion, des pompages complémentaires, des dérivations complémentaires qui permettent aujourd'hui d'arriver à des taux un petit peu supérieurs. Mais sur l'ensemble du département, il n'y a aucune retenue aujourd'hui à 90% de remplissage, ce qui devrait être le cas dans cette période de l'année. Et donc pour reboucler avec la situation de la réunion d'aujourd'hui, bien sûr les nappes, avec, donc ça a été dit tout à l'heure, des niveaux qui sont inférieurs à la normale, nettement inférieurs à ce qui était rencontré l'année dernière à la même époque, n'ayant pas bénéficié de l'effet de la crue comme l'an dernier en début d'année 2022. Donc grosso modo, on voit que sur l'ensemble des paramètres de gestion hydrologique, on se retrouve en une situation, on va dire, difficile, déficitaire. Alors ça ne veut pas forcément dire que ça va être une catastrophe tout l'été. Il y a des étés où on part mal et il pleut régulièrement par des orages tous les 15 jours et finalement ça passe. Simplement, l'attention qu'il faut avoir aujourd'hui, c'est que l'ensemble des paramètres de gestion sont en alerte. Et donc en fait, il faut être très très vigilant et que la situation pourrait être très difficile si jamais ça se poursuit dans les prochaines semaines. Je vais laisser la parole au BRGM pour continuer sur la partie nappe et les outils qui sont en train de se développer sur ce sujet. Sur celle-là ou... Après, là, Ok, d'accord. Donc oui,
on n'avait peut-être pas encore bien défini ou précisé, mais sur le territoire de la Haute-Garonne, dans le cadre du réseau piézométrique national, ou aussi on l'appelle le réseau de surveillance de l'état quantitatif des eaux souterraines, piloté par le BRGM pour le compte maintenant de l'ADEME. Donc sur le territoire, on comprend 13 piézomètres. Donc il y en a, ils ne vont pas tous chercher les mêmes nappes, beaucoup en nappe alluviale, mais aussi en nappe profonde. Et puis aussi, on a deux sources qui sont là plutôt dans les Pyrénées, à Arbas et puis la source de la Mort, où là, on est plutôt sur des juste en aval et sur des ressources karstique. On sort un peu de la synthèse, hein, tout ce qu'on vous a présenté relevait plutôt de ce projet-là entre guillemets. On en profite pour vous donner un peu aussi d'actualité sur ce qui est fait autour des eaux souterraines. Donc la première chose, c'est on voit bien que sur le niveau des nappes, on a une situation, mais que de plus en plus, il y a un besoin de faire de la prévision, alors de la prévision plutôt à court terme. Et donc il y a un outil qui a été développé depuis quelques années par le BRGM, qui s'appelle Météonap, mais qui est encore à titre pas expérimental, parce qu'il fonctionne, mais c'est juste qu'il n'a pas été encore déployé. Aujourd'hui, il y a une cinquantaine de points. Demain, on voudrait que ça soit à peu près 600 points qui soient enregistrés. Et donc, comment ça se présente? En fait, pour chaque point, il y a une petite modélisation qui est faite sous un logiciel pour pouvoir... On resimule les chroniques sur les chroniques du passé pour pouvoir se caler. Et derrière, en fait, on va faire de la simulation suivant de la courbe que pourrait avoir la nappe, suivant les situations. Donc ici, en bleu, vous avez la courbe réelle. En vert, vous avez la courbe des données en temps réel qui n'ont pas forcément été validées sur le terrain par un expert. Donc on la partage, mais on met un petit voyant, parce que sur certains endroits, on pourrait avoir, si on a une donnée qui est absurde, on peut se poser la question, enfin s'interroger. Et puis, on voit sur quelle courbe elle pourrait la chronique s'installe entre guillemets. Donc ça peut nous donner quelques éléments de se dire alors il n'y a pas l'échelle du temps dessous là, mais ça dit à peu près à quel niveau on se trouvera dans le futur si on continue sur cette en fait, ces prévisions-là qui sont établies sur la base de la statistique. Donc pour ces points-là, il faut par contre qu'on ait minimum 10 ans de chronique en dessous desquels les traitements statistiques paraissent pas pertinents. Donc on l'a développé dans le cadre d'un projet européen, on a fait des tests, on est d'ailleurs allé faire aussi de la modélisation en Espagne, au Portugal, et on a fait plusieurs points dans le Tarn-et-Garonne, parce que là on a aussi un outil de gestion, mais aussi on a fait pour la Haute-Garonne un point, et puis ça devrait se déployer de façon bien plus importante très, très prochainement. Quand je dis très prochainement, c'est cette année, l'année prochaine, dans les quelques années à venir. Un peu dans cette même logique, et j'en ai dit deux mots déjà, c'est sur la modélisation. Donc la Haute-Garonne, on a déjà développé, alors ça remonte déjà en 2010, avec une modélisation d'abord de la géologie, puis ensuite on mesure comme ça à une situation de haute nappe et une situation de basse eau et de haute eau sur plus de 200 points en même temps. Comme ça on cale après le modèle, et puis après ce modèle on dit en régime permanent, ça veut dire que on a représenté la situation à temps donné, on va le mettre en mode dynamique, et donc là on va réussir à modéliser et à reproduire en fait les chroniques dans le temps, et donc là retrouver les cycles. On fait des relevés dans les cours d'eau pour faire justement modéliser ces échanges nappes-rivières.
Et une fois qu'on a cet outil-là, finalement, et qu'il est suffisamment calé, alors on peut faire de la prospection, on peut, entre guillemets, faire tourner des modèles météo de 2050 et de voir quelle sera la recharge et comment va se comporter l'alluvion alluviale de la Garonne à cette situation, si on veut faire après en support d'ateliers prospectifs. Mais c'est aussi, et c'est un outil, comme je vous le disais tout à l'heure, on avait déjà longtemps en fait adossé à ces modèles-là des modèles de gestion qui étaient plutôt à destination des DDT à l'époque, qui travaillaient justement sur les volumes prélevables. Et c'était sous forme de feuilles Excel qui étaient très bien faites pour l'époque, mais bon, qui méritaient aussi d'être vues et même dans son approche. Et donc, dans le cadre d'un projet sud-oué, donc ça c'est le projet Espagne, Europe et France, on a pu redévelopper une plateforme qu'on a appelée Viginap, avec un premier accès qui serait accessible pour tout le monde et qui permettrait de voir les points que vous avez vus sur MétéoNap, et puis avec un accès réservé, et là plus dédié aux acteurs et aux gestionnaires de l'eau, pour faire de la simulation sur les volumes d'eau à prélever et d'être au plus juste de la situation. Alors soit au 1er mars et on fait de la prévision, soit au 1er juin quand toute la recharge s'est déjà faite. Donc ça, vous voyez, c'est du travail en continu entre des choses qui ont été faites et qu'on revalorise et qu'on réactualise, et puis aussi de faire un effort de rendre nos outils les plus accessibles sans être grand modélisateur. Je te laisse faire... Donc, pour terminer, encore quelques petites présentations d'actualité. Alors, on ne va pas rentrer dans le détail de l'ensemble des actions, mais juste donc pour vous parler un petit peu de l'avancement du projet territoire Garonne-Amont. Donc, ça a été évoqué en introduction par le président. Le projet de Garonne-Amont continue à avancer. Donc, c'est un programme d'action de 32 actions pour sur toutes les thématiques, avancer vers l'équilibre de la gestion de la ressource en eau. Et il y a 4 actions qui concernent les eaux souterraines. Il y a eu une expérimentation qui a été faite sur les gravières il y a 2 ans pour voir si le caractère colmaté des gravières permettait de différer un petit peu l'impact sur le cours d'eau. Donc là, on ne va pas y rentrer dans le détail aujourd'hui, mais parce qu'il y aura une réunion de restitution dans quelques semaines sur le sujet, et on réfléchit aux suites à donner à cette expérimentation. Il y a 2 sujets qui vont être évoqués un petit peu plus en détail là. C'est donc l'opération de recharge dynamique des nappes et l'observatoire des sources. Et il y a aussi des études et des actions qui sont réalisées sur la partie des eaux pluviales, sur tout ce qui est désimperméabilisation. Et une étude a été notamment faite à l'échelle du territoire Garonne-Amont pour voir un peu les secteurs où ce serait intéressant de travailler sur cette désimperméabilisation pour que l'eau pluviale aille au plus dans les nappes. Donc juste quelques mots sur l'observatoire des sources. Ça a été évoqué un petit peu tout à l'heure. Les sources aujourd'hui pour la plupart ne sont pas mesurées. Il y avait une abondance et donc en fait personne ne s'était senti forcément intéressé pour forcément mesurer au jour le jour les niveaux des différentes sources, et qu'effectivement avec la situation de crise qu'on peut rencontrer ces dernières semaines, on a des sources qui aujourd'hui ont des problèmes de tarissement. Donc l'objet de cette démarche, c'est de créer un observatoire qui permet de suivre un petit peu l'évolution des sources sur les principaux horizons géologiques sur la partie pyrénéenne du département. Donc on est parti d'une quarantaine de sources qui avaient été à peu près identifiées sur l'ensemble du secteur pyrénéen, et avec le BRGM il a été réalisé des investigations approfondies de terrain qui permettent au fur et à mesure de sélectionner les sources qui seraient les plus intéressantes pour constituer ce réseau départemental. Donc on est passé de 40 sources à une vingtaine de sources qui ont fait l'objet d'analyses complémentaires, et aujourd'hui on arrive à une douzaine de sources,
donc c'est marqué une dizaine, mais on en a retenu 12 sources qui pourraient constituer la base de ce futur, réseau. Donc là, on vient de finir cette première phase de sélection. On a maintenant une vision assez claire des sources qui seraient intéressantes à équiper pour pouvoir avoir une vision exhaustive de la situation. Et on va rentrer dans les prochaines semaines dans une nouvelle phase qui va constituer à l'équipement effectivement de ces sources pour instaurer un suivi. Et donc le deuxième projet, donc c'est le projet de réinfiltration des nappes. Donc le projet Air Garonne qu'on mène avec le réseau 31. Donc Yann Houdard n'est plus là, mais voilà, c'est étroitement mené ensemble. Donc le principe, le président en a parlé, mais c'était donc d'infiltrer de novembre à avril, donc la période hivernale, les eaux du canal Saint-Martory. Géré par le réseau 31, au moyen de dispositifs d'infiltration, donc les canaux secondaires, parce qu'il faut savoir que le réseau Saint-Martory, c'est un canal majeur, mais derrière, on a 200 km de canaux secondaires. Donc normalement, ces canaux, ils sont faits pour être imperméables et transporter l'eau jusqu'aux parcelles irriguées. Mais il y avait certains endroits des canaux qui étaient plus opérationnels, plus en fonction. Et on a aussi des endroits où, justement, on a des zones qui ont une épaisseur de gravier plus importante que à d'autres endroits sur la plaine alluviale. Donc ça, c'est primordial, parce que pour faire de la recharge, si le niveau d'eau il est déjà près de la surface, vous avez peu de stockage. Donc c'est important que vous ayez une épaisseur de gravier non saturée à saturée. Et l'idée étant de, lorsque l'eau est plutôt abondante en hiver et qu'elle s'écoule dans le canal Saint-Martory, mais puis après rejoint la Garonne, d'en prélever une partie, de l'infiltrer au moyen de canaux qu'on va venir recalibrer, un peu étendre pour s'infiltrer. Et évidemment, cette eau, comme je vous disais, tout s'écoule, simplement ça va s'écouler plus doucement dans la nappe. Et comme on est sur des logiques d'échange nappe-rivière, cette eau-là, elle va venir alimenter la Garonne. Alors elle va l'alimenter dès l'hiver, mais ensuite elle va l'alimenter pendant la période d'étiage. Et donc toute cette expérimentation, elle est là pour... donc on fait d'abord de la modélisation même numérique, et puis après on va faire des suivis avec des forages. C'est de s'assurer de ce qu'on arrive à infiltrer, quels sont les temps de transfert, et puis vraiment qu'est-ce qui est restitué à la Garonne. Et de voir comment, finalement, en jouant sur ce décalage temporel de l'eau, plutôt qu'elle s'écoule en surface, qu'elle s'écoule en profondeur, et qu'elle vienne faire un soutien de la Garonne et de tous ces milieux aquatiques. Donc à ce stade, on est en phase expérimentale, voilà, c'était un schéma peut-être que vous avez déjà vu pour essayer de représenter ce que c'est, donc le prélèvement du canal, l'infiltration et le déplacement de ce qu'on appelle cette bulle de recharge, et en combien de temps elle finit par arriver au niveau de la Garonne. Et de la même manière, lorsque vous faites ce type de recharge, vous devez vous assurer que l'eau qui est infiltrée ne change pas la qualité de l'eau de la nappe, et donc vous devez étudier ces éventuels changements en géochimie, et encore évidemment de voir en quoi vous maîtrisez bien votre système de recharge en cas de pollution du système de surface, qu'on puisse avoir une surveillance qui bloque le système et qui ne vient pas faire un transfert de polluants. Dernière chose, donc
Vous avez vu, on a parlé des Pyrénées. On a déjà, via le programme Potapire et qu'on a restructuré là, dans le cadre de la synthèse, on a plus maintenant d'idées et d'informations sur les ressources dans les Pyrénées, mais celle-ci reste quand même à étudier et à vérifier. Et notamment, on pense que les formations fluvio-glaciaires, alors qu'est-ce que c'est ? C'est des formations qui se sont développées à l'époque des glaciers, lorsqu'il y avait des glaciers dans les Pyrénées, et qui, au front du glacier, ont déposé comme ça des terrains qui sont soit d'origine glaciaire, soit même du fluvial, parce qu'on est par le cours d'eau qui s'échappe du glacier. Et on sait qu'elles peuvent potentiellement contenir des ressources. Elles sont beaucoup plus connues dans les Alpes et elles sont largement exploitées avec des débits importants. Mais dans les Pyrénées, jusqu'à maintenant, on n'a pas eu la nécessité d'aller les chercher, les connaître. Et donc aujourd'hui, en fait, on est quand même dans l'incertitude. On ne sait pas si le schéma théorique qui est valable dans les Pyrénées, dans les Alpes, le sera dans les Pyrénées. Ça veut dire aussi réimaginer, et ça on travaille avec l'Université de Toulouse, de reconstituer les paléo-environnements, comment étaient les paysages à l'époque glaciaire, quelle a été la dynamique des glaciers, pour comprendre les endroits où on pourrait avoir eu un dépôt de gravier plus importante, qui serait, alors on estime, il y a des remplissages qui vont de, ce qu'on avait, on avait fait des premières investigations, on est à 200-300 mètres, enfin c'est l'épaisseur de ces terrains-là, et donc on voudrait aller les rechercher, les explorer via des forages, mais aussi il faut savoir comment ces eaux elles se rechargent. On en a parlé un peu comme pour les aquifères profonds, c'est de savoir est-ce que c'est une alimentation par les précipitations, mais souvent elles sont aussi recouvertes de grands cônes de déjection, de grands cônes d'éboulis, et on pense que c'est ces cônes-là, cette eau-là qui vient réalimenter ces formations. Et c'est aussi, en fait, on est dans la vallée, et c'est les terrains qui sont encaissants, et notamment, on vous a parlé de ces karsts, les karsts les plus anciens, qui ne sont pas très connus, où on sait qu'il doit avoir de l'eau, et on ne voit pas de source sortir. Et donc, on se demande si c'est les sources, on n'a pas plutôt des émergences, enfin, qui seraient souterraines et qui viendraient alimenter ces formations fluvio-glaciaires. Donc, aujourd'hui, on suppose qu'on a ces ressources-là, mais il faut les explorer. Et donc, c'est un des projets aussi qu'on proposait. Cette action, elle avait été aussi inscrite dans le plan d'adaptation au changement climatique qui a été cité par Aude Vitten, comme faire un état. On pressent qu'on a de la ressource dans les Pyrénées, mais si oui, réellement, et dans quelle qualité, et dans quelle quantité, quelle qualité, et comment elle se recharge. Voilà. Bien, merci. Oui, je pense qu'on peut effectivement applaudir, remercier pour le travail qui a été fait par le BRGM avec toutes les collaborations et par toutes les équipes, parce que c'est ça, en quelques dizaines de minutes, il faut présenter 3 ans de travail et surtout tout le potentiel qu'il y a derrière. Ce qui nous paraissait important, c'est d'abord de partager cette information, de partager qu'il y a ces données disponibles pour que chacun, à sa place, puisse à savoir que ces données existent, pouvoir aller les chercher, mais qu'on essaye aussi, au fur et à mesure, de, comme ça a été fait dans toute la présentation, à la fois de montrer les informations qui sont maintenant disponibles pour des spécialistes qui savent tout ce qu'on peut en tirer, et pour des prévisionnistes, ce qui a été présenté à la fin est très très important, mais à la fois que petit à petit on donne des éléments et qu'on s'habitue à avoir des éléments, alors j'aime pas trop le terme de vulgarisation, mais de faire en sorte qu'on partage
la donnée, on partage la science parce qu'on aura besoin de prendre des décisions à un moment donné. Là, on a vu le dernier point. Il y a peut-être de l'eau disponible au niveau des Pyrénées. Dans quelles conditions? À quelle vitesse elle se renouvelle? Est-ce que demain, ça sera une source d'exploitation ou au contraire, un élément à protéger totalement? Ça, on a besoin, au fur et à mesure qu'on a la connaissance, qu'on a la science, de le partager avec tout le monde. Parce que si dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, on se pose la question de savoir, peut-être qu'il va falloir exploiter cette eau, on aura à prendre des décisions collectives et il faudra que tout le monde sache en connaissance de cause quelles sont les conséquences. Quand on a travaillé sur le projet Territoire Garonne-Amont, les membres du panel citoyen qui avaient travaillé dessus nous avaient beaucoup poussé à ce que sur chaque mesure sur lesquelles on travaillait, et celle-là en faisait partie, on réfléchisse à la notion à chaque fois de mesure sans regret. Alors ça paraît, c'est simple à dire là, comme ça on prend une décision et elle sera sans regret. Bon, mais en fait c'est très compliqué. C'est très compliqué parce que quand on étudie un sujet, il faut imaginer, construire avec la science, mais aussi avec l'expérience terrain, toutes les conséquences que ça peut avoir et pouvoir se dire, à la fin des fins, bon, vraisemblablement, c'est sans regret. C'est-à-dire que ce qu'on fait, ça n'aura pas de conséquences négatives et on ne fait pas ce qui paraît bien aujourd'hui, mais qui pourrait être une erreur vue demain. C'est pour ça que sur le sujet qui est la réinfiltration des nappes, on est sur une expérimentation. Alors, on a commencé il y a 2 ans, on y est encore pour 3 ans ou 4 ans, parce que il y a plein de choses qu'on ne sait pas forcément et qu'on a besoin de savoir pour se dire que ce qui paraît et qui, nous, vous l'avez vu, avec mon président, on est très, 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 très actifs sur ce sujet-là. On pense qu'il y a vraiment un potentiel d'avenir, que ça nous semble plutôt une bonne idée d'aller stocker l'eau naturellement sous terre. Mais ceci étant, au fur et à mesure, on rencontre des questions. Alors, c'est des questions parfois très, très à qui appartiennent les terrains. Voilà, on est sur du... Voilà. Mais c'est des questions aussi, après, à quels endroits est la science... A beau nous le dire, il faut le tester, à quel endroit c'est le meilleur endroit pour infiltrer. Et puis après, il y a des questions, qu'est-ce que ça a comme conséquence en termes environnementaux? Bon, parce que c'est pas tout à fait comme quand il pleut, hein, c'est pas les mêmes mécanismes. Donc tout ça, ça suppose d'avoir de la science, de la vulgariser et d'être toujours en transparence. Et c'est pour ça qu'avec mon président, on est très, très satisfait qu'il y ait beaucoup de monde, mais surtout des gens d'horizons très différents aujourd'hui, parce qu'il y a besoin que ces éléments-là, ben les questions que vous avez pu faire, les questions que vous ne manquerez pas de poser par la suite, parce que là-dessus, on ne l'a pas épuisé, ben ça vienne nous aider, nous aussi, à nous poser les bonnes questions et à ne pas hésiter à se remettre en doute et en cause à chaque fois. Alors, ma voisine sait qu'à la fois... Je suis de culture scientifique, biologiste, donc je suis très attentif au fait qu'il faille qu'on respecte tout ça, et à la fois sur le fait qu'on est dans l'urgence, parce que mon collègue Pascal Bourreau l'a dit tout à l'heure, on a un emballement du changement climatique, donc il faut qu'on avance. Il faut qu'on avance, il faut que sur tous les sujets, on se dise, ça, on ne peut pas aujourd'hui ne pas se dire, est-ce que c'est pas une petite partie de la solution pour demain ? C'est pas la solution, ça n'existe pas, mais sur chaque sujet, il faut qu'on avance, qu'on teste des choses. C'est sûr que beaucoup des tests qu'on fait, le mieux, ça aurait été qu'on ait 10 ans pour les faire, hein. C'est sûr. Bon, sauf que l'année dernière, on a géré des moments où il n'y avait plus d'eau potable, il n'y avait plus, etc. Et où soit on est capable de collectivement d'accélérer en prenant les précautions, parce qu'on peut, on peut pas faire aujourd'hui en pensant bien faire n'importe quoi, mais à la fois en se disant qu'il y a intérêt à mettre des moyens aussi sur tout ça, parce qu'on a besoin de science pour avancer sans prendre de risques. Voilà. Donc merci à toutes et à tous pour avoir été là. Et puis c'est que le début, hein, je l'ai dit, on va mettre en ligne tous les contacts. C'est important, des uns et des autres, tous les éléments pour aller chercher de l'information. Et puis, eh bien, à une prochaine fois, sur un autre sujet où on aura avancé. Voilà. Bon après-midi à vous et bon week-end.